Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Et je suis en compagnie de Tildus qui est de retour. Vous l'avez déjà vu sur un rapport de bataille Iron Hands versus Cult Mechanicus. Et aujourd'hui tu nous viens avec quoi Tildus? Avec mon armée de cœur. Un peu cheaté en ce moment, mais on s'en fiche, ça fait 15 ans que je la joue, donc j'ai légitimité pour la jouer. C'est vrai. Mes Imperial Fist. Et moi, je vais jouer pour le coup mon armée de cœur aussi, et il y a encore plus de légitimité puisqu'elle n'est pas cheatée, et c'est mon armée tyrannide. C'est parti pour le rapport de bataille. Bah, bonjour à tous, alors aujourd'hui... Maintenant que le déconfinement a commencé, j'ai ressorti mon armée de cœur, donc mes Imperial Fist que je joue depuis plus de 15 ans. J'ai sorti un petit peu plein de figurines que j'adore, j'ai pas fait un truc trop violent, bien que ce soit quand même super solide. J'avais vraiment envie de sortir plein de figurines qui me plaisent et pas trop spammer. Donc qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai un fer de lance, donc j'ai papa ici, Boréa Stan, qui n'est pas mort depuis une dizaine de parties, donc je continue de lui donner le même nom. Peut-être qu'aujourd'hui, Boréa Stan va mourir. Capitaine Primaris, je lui ai mis comme relique, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour avoir plus 3 en aura, donc full reroll à 9 pouces, étant donné qu'en plus de ça, je vais le mettre maître de chapitre. Et comme trait de seigneur de guerre, je lui ai mis la main de Dorne pour avoir plus des 3 points de commandement. Donc il sera dans un fer de lance avec donc les centurions, full ratata, et 2 Thunderfire. J'aurais pu en mettre 3, mais pour la conscience, j'ai préféré en mettre que 2. Voilà, pour pas jouer trop bourrin non plus. Et donc j'ai en plus de ça un bataillon avec donc 2 persos. Ici un chaplain réacteur dorsal, que j'ai appelé Dravin Markov. Première fois que je le sors, peut-être qu'il va mourir dès aujourd'hui. À qui j'ai mis... je l'ai mis en maître de la sainteté avec le Psychic Awaken pour qu'il puisse avoir 2 litanies. Donc la litanie qui donne plus 1 pour blesser, plus 1 pour toucher. Classique, violent. Et je lui ai mis aussi comme relique, donc avec le stratagème relique du chapitre, une deuxième relique qui est celle qui me permet de relancer les blessures de 1. En gros, c'est pour avoir 2 lieutenants sur la table. Et donc, en plus de ça, j'ai mis un lieutenant ici, Nidus Garlac. Alors lui, il est mort plein de fois, mais je continue de l'appeler comme ça quand même. Et comme c'est un bataillon, donc les 3 troupes, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris 5 intercessors, ceux qui envoient assaut 3, force 4. Des incursors, ceux qui sont plutôt forts au cas, qui s'infiltrent mais qui repoussent pas forcément les FEP à 12 pouces. Et les infiltrators qui, eux, peuvent potentiellement repousser les FEP à 12 pouces. Avec 6 Ensemptor, parce que j'adore quand ça arrive et puis que ça lave un gros pack de guerriers tyrannides par exemple. Et mes figurines préférées, je les joue tout le temps. J'ai mis 2 unités de suppressants, j'adore le design, j'adore les figues, j'adore les règles. Il y en a, on les voit pas beaucoup, mais moi je les adore, donc je les sors à toutes mes parties. Et pour finir, 2 gros bourrins, donc mon Stormraven Gunship, je lui ai tout mis, mais surtout du ratata, donc Bolter, canon d'assaut, Bolter Hurricane et puis les lance-missiles. Et parce que je me souviens de la dernière partie contre l'Iron Hands avec les 3 répulsors, je me suis dit, je veux un répulsor, donc j'en ai acheté un, je l'ai peint. Je l'ai sorti avec le laser à destruction, machin truc, qui bourrine tout et que je me suis pris contre mon admec. Donc maintenant j'ai le mien et c'est le mien qui va faire du dégât. Alors mes choix de mission secondaire, ça n'a pas été facile pour certains. Donc j'ai pris dans Recherche et Destruction Market for Death. Donc je choisis 4 unités de plus de 100 points chacune et je dois les défoncer. Ça devrait le faire avec ce qu'il y a en face. En objectif secondaire, il y avait aussi Manœuvre et Recherche. Pas facile, j'ai pris Ground Control. C'est celui où je dois avoir des objets à la fin de la partie. C'est pas terrible, mais bon, c'est le seul où je suis à peu près sûr de faire 1 ou 2 points. Et comme troisième série d'objectifs, j'ai pris les classiques. Première, Tatane, dernière Tatane. Tuer le seigneur de guerre et briser les lignes. Voilà. Okay. Présentation de la flotte ruche Commander TV. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois à l'écran. Là, elle revient sous une autre mouture puisque je vais bénéficier du Psychic Awakening. Alors, j'ai une partie de mon armée qui va être Kraken avec le Swarmlord, un Broodlord, 2 packs de 20 Steelers et 10 Gaunt. Voilà, donc l'aspect un peu masse, map control, agressivité. Et après, vous allez avoir une deuxième partie de l'armée qui est basée en détachement Chronos avec le Neurotrope, le Tyrannide Prime. En troupe, on va avoir 2 unités de Reaper Swarm et un gros pack de guerriers tyrannides avec canon Venom et puis Crash Mort, sachant que on est avec un petit mix entre les épées d'os et puis les petits fouets.
Ensuite, on va avoir, donc toujours dans les attachements Chronos, un petit peu l'aspect létalité de cette armée avec une bonne grosse exocrine, un pack de Hive Guard, de 6 Hive Guard et un pack de 4 zoanthropes. Ce qui nous fait une armée au total de 2000 points. Je vais un petit peu jongler avec les sorts et le Psychic Awakening. Alors en termes de sorts, le Swarmlord va avoir la Catalyse, donc pourra vous passer le Feel No Pain sur un pack de 20 Steelers, ainsi que le nouveau sort Kraken qui va me permettre de relancer les charges. Le Broodlord, lui, va avoir l'horreur, donc pourra cibler une unité et lui dire « Toi, tu auras moins 1 pour toucher dès que tu vas tirer ou tu vas te fighter au corps à corps ». Et ensuite, côté Chronos, donc le Neurotrope va avoir le nouveau sort Chronos, donc qui va permettre de générer des touches supplémentaires sur des 6. Et avec ça, il va aussi avoir une catalyse. Les Zoanthropes, quant à eux, auront aussi le sort Chronos, le nouveau sort Chronos. En termes d'adaptation physiologique, je ne vais pas avoir de trait de seigneur de guerre et du coup, les guerriers tyrannides ignoreront la PA 1 et 2 et je vais utiliser un point de com sur l'exocrine pour la passer à 5+ invulnérable et valider son tableau de damage au double des points de vie qui lui restent lorsqu'elle est en profil dégressif. En termes de choix d'objectifs secondaires pour les missions ITC, j'ai pris Market for Death, donc je choisirai 4 unités et à chaque fois que j'en tuerai une, bah, je marque un point. Sur les objectifs de map control, donc les objectifs de reconnaissance, j'ai choisi King of the Hill, donc je marque un point si j'ai 2 unités à 9 pouces du centre de la table. Et mon troisième objectif secondaire, j'ai choisi Recon, donc je marquerai un point si j'arrive à voir une unité sur chaque quart de table. Voilà, on a fait le tour de mon armée, on a vu celle de Tildus. Concrètement, sur ce match-up, je pense que Tildus a un avantage en létalité sur son armée. Moi, j'ai un petit avantage en map control, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre 2 objectifs secondaires en map control pour focaliser mon jeu plus sur ça que sur la destruction. Et en termes de game plan, bah, va vraiment falloir aussi que je joue sur les décors parce que il a que les 2 Thunderfire qui tirent sans ligne de vue. Et le Stormraven qui va pouvoir venir me chercher sur des angles de tir différents. Donc je vais essayer un petit peu de jongler sur les décors, de faire la savonnette et puis d'agresser chirurgicalement là où il faut quand il faut. Voilà. C'en est fait de la présentation des armées et je vous invite de suite à découvrir le scénario. Pour la partie d'aujourd'hui, nous allons jouer avec Tildus le scénario numéro 2 du Rules Pack ITC. Alors si vous souhaitez découvrir plus en profondeur ces scénarios là, on vous a mis dans la description de la vidéo la version française qui a été traduite par Commander TV. Ensuite, en ce qui concerne le scénario à proprement parler, vous allez avoir un objectif au centre qui est fixe dans le descriptif du scénario. Et ensuite, quand on va choisir nos zones de déploiement respectives, on va chacun poser un objectif. Et à la fin de chaque round, on met un point si on contrôle à la fois l'objectif du centre et à la fois l'objectif dans notre zone. Donc l'objectif central a quand même une certaine importance. Après, je vous rappelle que dans ces scénarios-là, à la fin de chaque tour de joueur, si on tient un objectif, on met un point. Si on a tué une unité adverse, on remet un point. Et à la fin du tour de jeu, donc à la fin d'un round de bataille, celui qui contrôle le plus d'objectifs remet un point et celui qui a détruit le plus d'unités remet un point. Donc voilà, et lors de la présentation de nos armées, nous vous avons présenté nos objectifs secondaires. Vous avez tous les éléments en votre possession en ce qui concerne le scénario. Je vous rappelle encore une fois que cette magnifique table est sponsorisée et fournie par MyScenari. Tous les décors sont dans la description, vous avez le lien d'affiliation, vous avez les codes promo. C'était un bon vieux placement de produit. Allez, on attaque de suite la phase de déploiement. C'est parti pour le premier jet de dé. Ce qui va se passer, c'est qu'on va jeter un jet de dé. Moi, j'ai le dé rouge et Tildus a le dé jaune. Le gagnant va choisir... Ok, donc c'est moi qui ai le dé rouge. Je vais donc choisir qui est attaquant et qui est défenseur. Alors, il faut savoir que si je décide de laisser Tildus défenseur, du coup, c'est lui qui va pouvoir jeter les dés pour déterminer la zone de déploiement. Il a une petite marge de manœuvre avec une relance. Et quoi qu'il arrive, si je décide d'être attaquant, je me déploierai en premier et je jouerai en premier.
Après à peu près 3h30 de réflexion, j'ai décidé d'être attaquant. Je vais donc déterminer Tildus en tant que défenseur. Il va donc jeter 2 dés. Sachant que moi, clairement, je vais avoir soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Mais surtout pas les autres. Hein. Donc il jette 2 dés, il n'a pas le droit d'avoir un double. Donc c'est le 2 et le 3. Donc le 2, c'est celui-ci. Et le 3, oh, c'est celui-ci. Aucun des deux. Bon, il voulait aucun des deux. Ça m'arrange pas mal. Donc tu vas pouvoir choisir celui que tu veux parmi ces deux déploiements. Tildus décide de choisir ce déploiement-là, qui va lui laisser beaucoup plus de manœuvre, on va dire, plutôt que de se retrouver sur ce déploiement-là et devoir jouer en bulle derrière un gros objectif bloquant. Donc c'est moi l'attaquant. Je vais de ce pas aller me déployer en aube de guerre. Et tu choisis quel côté, du coup, Tildus? C'est carrément symétrique. Ouais, c'est une table symétrique. Donc, Piknidou, c'est toi, je vais me mettre là. Ok. Donc, je vais me déployer en premier ici. Allez, j'ai fini mon déploiement, j'ai donc été l'attaquant. Tildus m'a imposé ce côté-là. J'ai mis en gros toute ma partie Chronos qui bénéficie de l'aura de mes Venomtropes dans cette zone-là. Tout simplement parce que l'objectif qu'il va essayer de contrôler, c'est celui-là. Donc je peux m'attendre à ce qu'il mette éventuellement un Thunderfire ou des unités un peu camping sur cet objectif-là. Donc j'ai mis ma force de frappe ici. Et puis après, je me suis exposé un petit peu sur le centre avec des unités un petit peu de Gontas, de la Mania 9. Et après, le Swarmlord et ses 40 poteaux Stealer, de façon à se projeter rapidement sur la map. Et puis voilà, on est pas mal. Donc je vais maintenant laisser la main à Tildus pour se déployer, et on se retrouve une fois qu'il est déployé. Donc clairement, comme on peut le voir, l'objectif c'était de contrôler toute la table, de me projeter partout. Donc clairement, je me suis fait un dernier carré défensif, vraiment pas le choix. Parce que de l'autre côté, au nord-est, il y a tout ce qu'il faut pour m'asmater de loin, de me pulvériser tout ce qu'il y aura sur mon objectif, donc j'ai été obligé de l'abandonner. Je peux pas me poser dessus, c'est pas possible, il va me rusher, tirer avec tout ce qu'il a, l'exocrine, les half-guards, donc je me suis mis le plus loin possible de sa ligne de tir. Et j'ai choisi de me mettre du côté de la deuxième menace, donc les Stealers. Alors comment je me suis placé? L'objectif c'est qu'il ne me clique pas. Donc j'ai mis deux rangées d'unités pour que s'il me clean celle-là, il puisse pas venir me la cliquer et que je puisse derrière désengager ou même venir au cac s'il y a besoin. J'ai mis le Stormraven devant, pas le Stormraven, le répulseur devant, parce que s'il veut venir le charger, tant mieux. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai mis donc une unité d'un curseur. Il n'y a pas moyen qu'il puisse me les cliquer parce que j'ai bloqué toute forme de cliquage avec mes centurions qui sont derrière. Donc a priori, il ne me cliquera pas. Donc s'il envoie des Stealers, ils vont mourir, sauf si j'ai raté quelque chose. Pas sur le premier tour en tout cas. Ouais. Le Storm Talon Raven là, en attendant d'aller piner tout ce qui va... Piner. Je sais pas encore ce que je vais piner, on verra. les Thunderfire, je les ai mis derrière au chaud pour viser les Stealers qui vont venir m'embêter ou autre chose. Et par contre, ce que je fais pas forcément souvent, j'ai mis tous les suppresseurs en FEP, les Inceptors classiques et puis le Chaplain en FEP. Voilà. J'en profite aussi pour dire que moi j'ai mis mes Reaper Swarm en FEP. Et puis voilà, on a fait le tour pour son déploiement. Ouais. Et au moment où on vous parle, bim, je vous cale encore un placement de produit. C'est qu'on a reçu de la part de l'atelier Torek ce magnifique sidebar pour l'étape de Warhammer 40 000, ce qui nous permet d'avoir les réserves dans les starting blocks. Il faut savoir que Tildus veut mettre ses réserves là-bas parce que ici ça avait un impact psychologique. Il avait l'impression que c'était sur la table, donc du coup ses réserves sont en mode agressif. Là on commence à rentrer dans le mind game de l'état d'esprit du joueur. Et donc là clairement eux, ça dit que eux ils vont venir plutôt vers là-bas. Donc on va commencer pour le premier tour de jeu. Les hostilités commencent et je vais en tant que bon attaquant dans cette partie me lancer pour le tour 1. Vous voyez dans la configuration dans laquelle je me trouve au début de mon tour et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Allez, fin de ma phase de mouvement, donc globalement je me suis un peu plus entassé dans ce décor là en allant gratter en me rapprochant du mur parce que je ne pouvais pas au vu de ma zone de déploiement. Donc voilà, l'idée c'est de me mettre maximiser mes couverts. Là cette unité là s'est positionnée ici et surtout je vais venir aller chercher un double move avec mon Swarmlord pour venir vraiment bien me réorganiser dans ce couvert là avec cette unité. Je suis venu capturer l'objectif 1 avec les Gaunt et mon personnage. Et ici, on est venu advance un petit peu partout. J'ai avancé. Je sais que globalement, pour l'instant, ces unités-là vont être mises dans le vent. Et j'ai pas envie de les exposer outre mesure. Donc, on commence à avancer. Alors, la phase de psy, tout simplement, le Swarmlord va balancer la catalyse sur le pack de Stealer qui est ici.
Ça passe. Donc le Broodlord ne peut pas jeter d'horreur puisqu'il a personne à porter. Le Neurotrope, il a rien à lancer parce que de toute façon personne ne va tirer. Donc en vérité, j'ai pas d'autre sort à lancer que cette catalyse qui est passée. Et puis voilà, donc j'ai fini ma phase de psy. Pour ma phase de tir, ça va être très simple puisque globalement tout est out of range ici. Je vais juste, comme je l'ai dit, utiliser la capacité de mon Swarmlord pour me réagencer dans le décor et puis globalement j'aurais fait ce que j'ai à faire et puis on se retrouve pour la fin de mon tour. Et c'est fait, phase de tir terminée. J'utilise mon double mouvement pour venir me replanquer bien au centre. Et je vais finir globalement mon tour ici, puisque j'ai pas de charge ni rien pour ce premier tour. J'ai décidé, donc comme Tildus vous l'a expliqué, pour son déploiement, il a vraiment fait un gros blocos. Et j'ai vraiment pas envie d'aller m'empaler dedans. Parce que c'est perdre une unité pour pas grand chose. Néanmoins, je finis le tour en contrôlant mon tour, en contrôlant un objectif, ce qui fait que je mets un point. Et pour l'instant, je contrôle l'objectif du centre. Donc on verra si je le tiens à la fin du round de bataille. Et je vais donner la main à Tildus. Le blockhaus Imperial Fist va se mettre en œuvre. On retrouve Tildus à la fin de sa phase de mouvement pour qu'il nous explique les différentes manœuvres qu'il a mis en place. Fin de la première phase de mouvement de Tildus, je te laisse commenter un petit peu les manœuvres stratégiques que mettent en place nos amis les Imperial Fist. Alors l'idée est très simple, faut que je me débarrasse de la première menace et tous les Steelers, donc j'ai l'intention de tous les raser. Le Stormraven pour raser tout ce qu'il y a ici, au moins les Steelers. J'ai sorti un petit peu toutes mes unités pour être à portée de tir et de visuel de la deuxième unité Steeler. Pourquoi pas les Gaunes qui sont au milieu, donc je veux laver tout ce qui est sur le côté gauche. Et je me suis mis évidemment hors de portée de tout ce qui va pouvoir me tirer au T2 en me mettant à 1 pouce et plus de la distance de tir de son armée. Donc même au T2 il pourra pas me tirer dessus. Phase de magie tu n'en as pas? Non, okay. Phase 2. Phase de tir. Allez c'est parti. Donc il commence par évidemment faire tirer les unités qui ont le moins de lignes de vue ou le moins de portée. Là en l'occurrence ce sont les incurseurs qui sont là et qui vont shooter sur les Steelers. Faut pas oublier que ces Steelers là sont ceux qui ont le Feel No Pain à 5. Et pas de couvert puisque Imperial Fist. Donc on est sur du 3 plus relance de tour. Allez, full reroll parce qu'il a son maître de chapitre qui est à portée. Ça mais marche. C'était pas nécessaire. Force de 4, endurance 4. On est sur du 4 plus. 4 plus relance des 1. Ouais. Relance du 1. Ça fait donc 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. Je suis sûr de l'invu à 5 et du Finopane à 5. Et j'ai un premier mort chez les Steelers. Un mort chez les Steelers pour cette escouade d'incursors. Ensuite. Eh ben, je vais faire tirer les Centurions, je pense. Allez, on envoie les Centurions. Ça va cracher du bolter lourd. Donc on en a. Lui, je l'avais mis à portée de eux, donc il les voit. Ok, par lui dans les Steelers. Il ne verra que les Gaunes qui sont là. Las Gontas Mañanas. Ouais. Et lui ne voit rien, c'est ça? Et lui voit rien. Ok, ça roule. Premier point de commandement claqué, enfin non parce que d'ailleurs t'en as claqué sur la phase de pré-game, mais sur le champ de bataille les premiers points de com tombent et c'est les Centurions qui utilisent le stratagème Imperial Fist qui va faire maximiser en gros, donc tu génères des touches supplémentaires sur du 6. Mais tu le fais déjà non? Oui mais ça génère encore une touche. Ah d'accord, donc en fait il va générer 2 touches supplémentaires à chaque 6 pour toucher sur les tirs de Bolter, donc c'est parti pour la mélodie des Bolts. 3, 4, 5, 6. Donc je tire avec le premier Bolter lourd sur les Steelers qui sont ici. Yes. Allez. Donc on y va, relance de 6. Tout. Oh, c'est bien ça. Ouf. Donc ça fait 3 touches donc. Ça fait encore 9. Et encore 3. Ça, ça pique. Chouette. Et le 2, tu peux le relancer. Je relance pour refaire un 6. Et non. Ça aurait été qu'au 4. Ouais, c'est bien. Et là, c'est sur du 4. C'est sur du 3. Sur du 3, je crois. C'est force de ces Bolter lourd. J'en ai un petit. J'ai beaucoup trop de 2 là. Ça me plaît pas du tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, PA moins 2. J'ai de la vue à 5 avec les Steelers. Et j'ai du Feel No Pain à 5 comme j'ai ma catalyse. 2 morts. Donc j'en avais déjà un, ça fait 3 morts dans l'unité. Joli hein. Et il y a l'autre qui tire dans les Gaunts, c'est ça? Ouais, dans les Gaunts. Hein. Donc on y va pour 6. Oui. Pareil, Bolter lourd. Donc là, je fais qu'un seul 6, donc ça me rajoute 2 touches. Ça passe, ça je relance. Faut que je refasse des 6 maintenant. Non, pas mieux. Là, on est sur du 3. Oui, sur du 3+. Plus. Relance des 1. Ça et là, fait... c'est des morts nets, puisque tu as de la PA. C'est ça. Ça fait 5 morts. 5 morts côté des Gaunts.
Première phase de tir pour le répulsor. En termes de cible, full ratata là-dedans, sauf ces lance-grenades qui ont une portée 18 et 10 coups qui ne sont pas à portée. Et les gros canons qui vont là-dedans. Le gros canon, on va le faire tirer en premier, c'est à moins 1 pour toucher, parce que je suis dans l'aura de mes Venom Trop. Okay. Donc ceux-là vont toucher sur du 4+, reroll. C'est ça, 4+, le chapelet n'est pas encore là, donc on s'en fiche. Donc 4+, full reroll. Hop. Tout passe. Aïe, aïe, aïe. On est sur du 2+. On est sur du gros 2+. Voilà. Et moi. Je regarde à PA moins beaucoup. Alors j'ai une la vue à 3 parce que je suis un gros zoanthrope des familles. Un vue à 3, j'en rate une. Je vais utiliser. Ça fait 3 net de toute façon. Donc je vais utiliser un point de commandement et je vais sauver un eurotrope. Donc j'en ai un qui meurt net, propre, sans bavure. Et après, on va pouvoir faire partir le ratata du répulsor. Yes. Eh ben c'est parti. Allez, les gros ratatas. Allez, alors, on commence par quoi? On commence par le bolter lourd jumelé, ça fait donc 6 tirs. Yes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est sur du 3+, full reroll. Ça passe. Et du re-3+. Avec les 3+, relance D1. Donc ça fait 5 sauvegardes à PA-2. Et donc c'est toujours pareil, 5+, 1 vue, Fino Pain à 5. C'est quand même bien sympa toutes ces sauvegardes. Ça fait 3 morts. Pour les bolters lourds. Ok, ensuite on a du bolter storm. De bolter storm, j'en ai qu'un. Non, j'en ai deux, pardon, bolter storm. Donc ça fait tir rapide. Ça fait 8 du coup. Hop. Ça fait 8 tirs. Non, c'est tir rapide 2. Ah. Si j'ai le tir rapide, ça fait 4 tirs. Non, faut être à. Non, faut que ce soit à demi-portée. Ouais. Ou que tu n'aies pas bougé. J'ai bougé, donc ça fait que 4 tirs. Yes, 4 tirs de bolter storm. Passe. Là, ça blesse à 4. Relance des As parce qu'il y a le lieutenant, ça en fait 2. Je suis toujours sur de la vue à 5 et du Fino Pain à 5. Et ben j'en ai sauvé 2. Donc je suis toujours à 3 morts avec le répulsor. Ok. Donc maintenant on va tirer avec le canon Gatling. Donc là c'est 12 tirs. Elle a sa pique. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va toujours pareil. On est sur du 3+, reroll. Donc là heureusement qu'il n'y a pas pu s'astérif ici. Hop. Tout passe. Tout passe. Full touche pour la Gatling. On a la force de 5, on est sur du 3+. Donc on est sur du 3+. Relance D. Il n'y a pas assez de 2 à mon goût. Voilà. Ah là là, ça donc fait 10. Ça va en PA moins 2. Bah, j'ai toujours la même chose. Hein, donc 5 et 5. Oh, c'est pas mal. J'en sauve 4 sur les invus et sur le Fino Pain. Allez, max de 5. Yes. Ah, il n'y a pas des masses. Ça fait 5 morts supplémentaires. Le répulsor en avait tué 3. On est à 8 morts pour le répulsor. Pour l'instant. Ok, maintenant la mitrailleuse Ironclad. Normalement, j'en ai qu'une. Ouais. Donc on est à 3 tirs d'Ironclad. Allez. Hop. C'est bon. On est sur une force de 4. On est sur du 4+. Ça en fait qu'une seule. Ça en fait une. Donc, moins 2. Toujours 5. Allez, un petit 5 là. Oui. Hop, ça c'est. Ensuite, il y a l'Ironclad jumelé. Alors par contre, j'ai moins 1 parce que c'est pour tirer les oui. volants. Ouais, ouais. Donc là, c'est 6 tirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est sur du 4+. Oui. Full reroll. C'est pas mal du tout, c'est pas de problème, après, oh, c'est chouette. C'est propre. Force de 6, on est sur du 3+, relance des 1. Ouais. Petit 2. Ouais. Ça fait encore 4 sauvegardes à PA moins 2. Pour l'instant, je suis à 8 morts chez les Steelers. Allez, on va tenir encore. Oh, oui, on reste à 8 morts chez les Steelers. Cochon. Et je crois que j'ai tiré avec tout, ça y est. Yes, et du coup, bah, je vais enlever... Le lance-roquette, pardon. J'ai pas fini avec le lance-roquette. Hein. D'ailleurs, c'est pas mal de tirer là-dessus, mais bon, trop tard, je l'ai fait. Des 3 tirs. Ça fait 3 tirs. On est pareil, moins 1 pour toucher les volants, donc là, on est sur du 4+. Reroll. Une. Donc ça fait force de 7 sur du 4, on est sur du 3+. On lance des 1. Donc ça fait 2 sauvegardes à PA moins 2. Toujours sur de la vue à 5. Et le petit Fino Pain à 5 qui met un mort en plus. Ça fait donc le répulsor a fini de tirer et a tué 9 Steelers. Merci la catalyse. Allez, on continue le déchaînement de violence et de haine des Imperial Fists. Donc tous les ratatas, c'est-à-dire Hurricane, canon d'assaut et bolter lourd dans les Steelers et les missiles dans le Swarmlord. C'est parti pour le Stormhaven. Okay. Allez, lance missile dans Swarmlord. Donc là, normalement, il devrait être un peu moins stable puisqu'il a plus de reroll à ce stade-là, pour son véhicule. Un du 6 ou 7 Un du 7, c'est sur du 3. Une sauvegarde à moins 4. Bah, j'ai une invue à 4 parce que je suis un gros Swarmlord des familles. Et donc je perds 3 PV nets. 3 PV nets. Ouais. Yes. Et maintenant tout le reste. Et tout le reste. Canon d'assaut, bolter lourd, tout ce yes. Alors on commence par les 6 tirs de bolter lourd. Hop. Ici j'en passe quand même 4. Les 6 font pas les touches supplémentaires ?
Si, bien joué. T'avais un 6. Oh punaise, j'oublie depuis tout à l'heure là de le faire. Même là-dessus, j'ai oublié. Mais il a pas de... c'est pas les bolters, hein, lui. Les Gatling. J'ai oublié de le faire. Ouais, c'est le bolter lourd. Ouais, effectivement. Merci de me faire penser. Et là, ça fait donc deux sauvegardes. Deux sauvegardes, on est sur le bolter lourd. Là, pour le coup, j'ai pas de. J'ai plus le Fin of Pain, donc là, j'ai juste mon invue à 5. Et j'ai deux morts sur le premier pack. Ok, ensuite, les 12 tirs de canon d'assaut. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va. Du 3 plus. Tout ça, c'est raté, mais c'est quand même pas mal. Du 3 plus, force de 6. Ouais. C'est moyen. Donc 4 sauvegardes à moins 2. Un vu à 5, encore et toujours. 3 morts supplémentaires. J'en avais 2 d'abord, donc ça fait 5 morts chez les Steelers. Ouais, super. Et puis maintenant, on va mettre la fournée de Bolter. La petite fournée de Bolter Hurricane. Donc ça fait 12 chacun, ça fait 24 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est pas 6 les Bolter Hurricane ? Mais si, mais mi-portée, c'est le double. Ah, t'as mi-portée là ? Ah ouais, je suis à 12. Ok. 1, 2, 3. Ça va rafaler. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est à 24 tirs qui touchent à 3, qui génèrent des touches supplémentaires sur du 6. Oh, là, et donc pas beaucoup de 6. Heureusement que t'as pas de reroll. Alors ici, un... ça fait 3 touches en plus. Tac. Ça va, c'est correct. Ça c'est bon. C'est raisonnable. Ça, c'est et il y a beaucoup d'as. Ouais, ça c'est pas bon. Ça, ça et ça. Ok, bon ça va, ça va. Ça va, on a évité le drame. Bien, force de 4 sur 4, 4 plus. Donc ça fait. Ça aurait pu être pire. Ouais, c'est pas fantastique. Hein. Allez, les invus à 5 de mes Steelers. Tu m'as tué 5 gars. Ouais, j'aimerais bien en perdre pas plus de 5. S'il vous plaît, dieu de la flotte ruche, pas plus de 5. Eh ben écoute, il suffisait de le demander puisque j'en repère 5. Et du coup, je reste. J'ai perdu 10 Steelers sur mon pack qui est là-bas. Et donc on finit la phase de tir de Tildus avec les Thunderfire qui vont essayer de laver un maximum les Steelers. Et c'est parti, donc le premier Thunderfire va tirer dans ce pack de Steelers qui est à 8. Okay. Donc 4 des 3 tirs, allez du costaud là, oh c'est nul. C'est bien, c'est bien, ça fait 4 tirs, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 3, 4, 2, 4, ouais ça fait 6. Ça fait 6 tirs. C'est nul là. Allez, 2 plus. Tu touches à 2 plus. Pourquoi t'as la full reroll là ? Parce que je suis toujours à portée de mon okay. chapitre. Ok, ça marche. Donc 2 plus, tac, full reroll. Ça passe tout. Ok. Force de 5, on est sur du 3, mais pas en lance 1 parce que le lieutenant il est trop loin. Donc ça fait quand même 4 sauvegardes à PA moins 2 ou moins 3, je sais pas. On est toujours sur de l'invu à 5 et on est toujours sur du feel no pain à 5. Ah, ça fait 2 morts. Ils sont plus que 6. Le deuxième Thunderfire utilise 2 points de commandement pour faire 2 tirs, enfin pour tirer une deuxième fois. Et la première salve, il va cibler les Steelers qui sont là-bas derrière, qui sont encore 10. Et la deuxième salve, il verra. Ah, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac, donc 1, 2, 3, 4. On y va. 2 plus full reroll, ça passe. 3 plus, c'est pas mal. Donc ça fait 6 sauvegardes, à moins 2. Et on est toujours sur mon avis de Steeler à 5, et j'en perds 4. Ok. Donc ils sont plus que 6. Et ben la deuxième, je vais faire sur... je vais faire là-bas. Ok. Sur ceux qui sont là-bas. D'accord, parce que, c'est ce qui me paraît mieux. Je vais les finir là-bas. On y va, c'est joli aussi. Donc 6, 7, 8, 9, pareil que tout à l'heure. Ouais. 6, 7, 8, 9, 5, 1, 2, 3, 4... On y va, donc 2 plus relance 2, tout passe. On est sur du 3 plus relance 2, rien du tout. C'est sympatoche, 6 sauvegardes pareil. Allez, 1 vu à 5. J'en sauve 2, bah, c'est les 2 qui survivent dans l'unité. Et ils sont plus que 2 là-bas derrière leur muret. Donc fin du tour de Tildus, je laisse commenter la manœuvre, ça t'a plu, ça t'a pas plu. Alors moyen, je suis content parce que la menace de Steeler est vachement amoindrie, il y en a que 2 et 6, donc ça, eux ils m'embêteront plus. Par contre clairement j'avais quand même première tatane et puis au moins tuer une unité que j'ai pas réussi à faire, donc il y avait 2 points pas trop compliqués à faire que j'ai raté. Mais bon, le plus important c'est qu'en début de game je me suis débarrassé d'une menace qui est quand même les Steelers. Les Steelers, oui. Donc toi à la fin de ton tour tu ne détruis pas d'unité. Et tu ne tiens pas d'objectif. Donc ce qui fait que et tu fais pas d'objectif secondaire, ce qui fait qu'à la fin du round, moi je vais mettre un point supplémentaire parce que je tiens l'objectif du centre et le mien. Donc et je vais mettre un point supplémentaire parce que je tiens plus d'objectifs. Toi tu n'en tiens pas. Donc je passe à 3 à la fin du tour et 0 côté Imperial Fist. Néanmoins, ce qui est intéressant de noter et notamment sur la létalité de ce qui est Marines et là en l'occurrence Imperial Fist, c'est qu'on voit qu'avec quasiment 1500 points d'armée, on peut dire que tu as 500 points en réserve là je pense. Oh, ouais, tu as à peu près 500 points en réserve avec 1500 points d'armée.
sans avoir à se mettre en difficulté, c'est-à-dire avec des Thunderfire qui ne bougent pas, un répulsor qui n'a pas beaucoup bougé, donc il peut garder ses bulles, etc. etc. Il enlève quasiment 500 points d'armée sans prendre trop de risques, et ça c'est relativement embêtant pour moi. Donc voilà, je vais donc attaquer mon deuxième tour de jeu. Début de mon deuxième tour, je vais donc essayer de marquer des points parce que comme vous l'avez compris, je risque de pas de vivre très longtemps sur cette partie. Je vais essayer de marquer un maximum de points dans la mesure du possible. On se retrouve à la fin de ma deuxième phase de mouvement. Et donc, fin de mon phase de mouvement du tour 2. Alors là, c'est pour le coup, sur la phase de déploiement, c'est plus Tildus qui a un petit peu saigné du nez pour trouver sa configuration. Là, c'est moi qui vais commencer à saigner du nez et me dire comment je vais gérer cette partie. Ceci étant, ce que j'ai fait, mon objectif subséquent à la phase nommée, c'est de me dire que je vais avancer quand même les Steelers avant qu'ils meurent de façon à pouvoir taper quelque chose. Ma priorité va être cette unité-là puisqu'elle est marquée sur mes secondaires. J'aimerais bien la tuer. J'ai quand même amené, donc l'idée aussi c'était de récupérer un quart de table pour marquer mon recon. Donc j'ai une unité de petit Reaper Swarm qui est venu se positionner là sur mon objectif. J'ai une autre unité de Reaper Swarm qui est venue se positionner là derrière pour protéger le Broodlord d'éventuels tirs et notamment de lui là, ce gros canon. Les Gaunes font pareil, en fait c'est des screens pour que je puisse tenir toujours l'objectif central. Et puis après ici j'ai avancé tranquillement. Toujours dans l'optique de contrôler les 4 quarts de table et puis les objectifs. Voilà. Sachant que là, je vais pouvoir tataner un tout petit peu avec mes Steelers en espérant pas me cuter sur les phases de bagarre. Et je passe immédiatement à la phase de magie. Le Swarmlord va s'envoyer la catalyse sur lui-même, ça passe sur du 6. Oh, ça passe. Il a donc un Field of Pain à 5, parce que je pense qu'il va être l'objet de certains tirs adverses. D'ailleurs, il a perdu 3 PV au tour précédent. Là, il va passer la déferlante sur lui-même parce qu'il a Advance et qu'il veut charger. Ça passe sur du 6 et on est bon aussi. Et le Broodlord qui est ici va jeter l'horreur sur le châssis qui passe aussi sur du 6. L'idée étant de lui caler le moins 1 pour être touché. C'est le cas. C'est 18 ou 24 hein. C'est 24. Okay. Donc lui va pouvoir, il a moins 1 pour toucher. Et après de ce côté-là, le sort Chronos n'a aucun intérêt ici puisque personne ne va tirer. Le Smite n'a aucun intérêt ici puisque j'ai personne à porter. Donc de manière générale, ma phase de psy est terminée et je vais passer à ma phase de tir qui va consister à faire un double move avec le Swarmlord. J'ai donc fait un deuxième phase de... J'ai donc fait grâce à son propre mouvement, il a rebougé et il a réadvance, il a fait 6. Il vient donc se positionner tel un héros de son peuple. Jaillissant des ombres ici pour charger et je passe immédiatement à ma phase de charge et il va donc charger, prendre quelques tirs de contre-charge évidemment, il va charger les deux unités qui sont ici même et même à 12 pouces, est-ce que je peux pas me gaver un petit peu il a quoi comme tir Tormund il a un bolter de maître, je crois que c'est deux tirs, PA-1 et je vais déclarer lui aussi en charge. Non, c'est un fusil bolter automatique, donc c'est assaut 3, force 4. Donc je vais charger les deux unités qui sont là, ainsi que Golgobut. Il a fait ses tirs de contre-charge, il m'a enlevé 2 PV, donc je suis toujours pas en dégressif. Et ce que je vais faire, c'est que surtout, je vais contacter les deux unités. Je vais venir me mettre, je vais venir contacter les deux unités pour pouvoir taper sur l'une ou sur l'autre comme bon me semble. Et ensuite, je vais faire charger ce pack de Steelers là, et ils vont faire leur charge de suite. Donc ils vont déclarer en charge les deux packs parce que ça mange pas de pain, de toute façon ils peuvent plus tirer en Overwatch. Et éventuellement à 12 pouces, je vais aussi déclarer en charge comment il s'appelle déjà ton gars ? Boreastan. Jean-Jacques. J'ai déclaré en charge Boreast, qui lui pour le coup pourra retirer. Il va pouvoir retirer puisqu'il me voit. Grand bien lui fasse. Ouais bon, on recommence, 3 tirs. Pas de 6, mais je peux tout relancer. Ah non, pas de 6, pas de 6. Aïe, 2. Allez, force de 4, relance, raté, une sauvegarde. Aïe, 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 le Steeler de la honte. Je voulais pas qu'il meure, celui-là. Ils sont plus que 5. Bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, maintenant, il va charger. Allez, là, on y croit. On veut un gros G. On est sur du 6 de charge. Double 6 pour la charge. Allez. Et les deux glands, là, que j'aurais jamais dû sortir de leur trou à rats, charge à 12. Sur un gros double 6. Oh là là, il y en avait. Ouais, j'ai vu le 6, j'ai commencé à faire. Ah, je claque un point de commandement. J'en ai combien?
J'en ai 10, c'est très très greedy. Non, je n'utilise pas de point de commandement. Ok. Alors, je vais taper. Allez, la grosse bagarre. Du coup, les Steelers vont attaquer en premier et vont tout mettre sur cette unité-là. Et puis, ils sont contents. Donc, je vais taper avec ma PA-1. Donc, je vais toucher à 3 et je vais blesser à 4. Et voilà. Donc, moi, je ne génère pas de touches supplémentaires sur les 6, malheureusement. C'est pas mal. Bon, en vérité, j'ai 15 taquets. Bon, ça va, c'est pas mal. Et après, sur du 4, allez, les gars. Et sur les 6, on a de la PA-4. Donc, les 6, c'est des PV nets. Oh, c'est pas beau. Ah, il n'y a pas de 6. Oui, il n'y a pas de 6. Et ben, écoute, il y en a 4 qui passent. Ça fait 4 sauvegardes à 4. Allez, tu m'en rates 2. T'as des PA-1, c'est ça? C'est de la PA-1. Un PV. Je mets un petit déroulé. T'avais 4 sauvegardes à faire. Je sais pas pourquoi tu m'en as fait 2. Pardon, j'ai cru que j'en avais. Oui, pardon. C'était bien. Voilà, donc j'en perds un net. Ça pour moi. Et ben, je vais enlever lui. Ok, je vais faire mon mouvement de piline avec mes Steelers. Yes, alors j'ai attaqué avec mes Steelers, j'ai réussi à tuer un mec et je me suis grabé sur ce gars-là qui va me permettre de rester au chaud au corps à corps. S'il m'en tue, pas trop parce que ça tape quand même, c'est du primaris, ça envoie du bois. Je vais donc taper avec mon Swarmlord et je vais m'assurer quelque chose. Je vais utiliser un point de com et je vais relancer automatiquement les blessures sur le Swarmlord. Et donc voilà, donc je vais l'activer. L'idée étant pour le coup de venir me contacter un maximum sur lui. Ici, mince, ici, me barrer globalement de eux. Et il va taper, je vais tout mettre sur eux. Donc je te touche à 2+. J'ai 6 attaques de sabre, les sabres qui piquent et une attaque de queue. Oh, c'est pas bon. Oh putain. Yes. Je vais utiliser un point de com pour relancer ça. Oh, c'est pas bon. Oh là là. Je te m'excuse. Oh, le désespoir total. Ouf, il va pas me les laver. Ouais, c'est très très moche. Ouais. C'est très très moche. Et puis, bah, blesse à 2+. T'as force de combien? J'ai force 8. Ouais. Blesse à 2+, relançable. Ok. Alors, il n'y a pas de 6, donc je fais pas de mortal. Et ça, c'est PA moins 3, 3 flat. Et ça, c'est pas de PA. Et c'est D3 damage. Ok. Donc, tu fais d'abord le D3, on fait dans quel sens? Fais donc les invus, là. À 6. Fais pas les invus à 6, c'est les save à 6, d'ailleurs. Bon, on y va. Allez. Moi j'en suis en moyenne. Donc c'est dégâts 3. Hein. C'est 3 flats, c'est du mort. Tu m'en tues 1 et 2, on va pas te laisser passer. Ouais. Et après une petite sauvegarde normale. Ça passe. Ça fait plaisir quand le Swarmlord il tue deux Marines, ça pique un peu les yeux quand même. Et du coup tu vas pouvoir taper. Avec, ça bat tout le monde. Avec tout le monde, ouais, avec tout le monde. Donc ici lui, moi je veux me débarrasser des Steelers. Allez, donc du coup, on arrive à la fin de la phase de corps à corps. Il m'a quand même enlevé un PV sur mon Swarmlord et un Steeler en ripostant. Donc ça a été correct. Néanmoins, ce que je vais faire, et ce qui est important, c'est que je vais utiliser 3 points de com pour retaper avec mon Swarmlord. L'idée pour le coup, là, ça va être, donc je pensais être vraiment plus létal, donc ça n'a pas été le cas. Je vais taper sur eux. J'espère tuer 3 Marines avec l'attaque du Swarmlord. A priori, ça passe. Hein. Et après, je vais peel in. Et l'idée, c'est de venir contacter eux qui sont bloqués au corps à corps, ce qui fait que le Swarmlord va rester bloqué au corps à corps sur le prochain tour. Donc, c'est ça l'idée de la manœuvre. Maintenant, il faut que je tue 3 Marines. Et là, on est dans des bails un peu sombres. Allez. Alors, je vais mettre le dé blanc pour la petite queue. Je vais essayer de ne pas faire 3000 as. Allez, sur du 2+. L'as de là, monsieur, là, je ne relance pas, je m'en fous. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, là. Et là, on est sur de la blessure à 2+. Reroll les as. Et c'est pas mal. Ouais, y a. C'est pas mal, on est sur 6 save à 6, sachant que une save ratée est égale à mort. Normalement, tu me fais pas 4 save à 6. Oh putain, il m'a fait flipper. Bon, c'est réglé. Ils ont 3 dégâts chacun. Ouais. Flaf. Et du coup, je vais, comme je l'ai dit succinctement précédemment, je vais venir piline ici. Pour finir la phase au corps à corps. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tué aussi une unité qui était marquée, puisque eux étaient marqués, il fallait que je les tue. Donc, je finis mon tour là-dessus. Est-ce que t'as... Oui, le tour n'est pas fini. Ah. Parce que je peux pas rester comme ça. Donc, je pense que je vais claquer mes 3 points de com pour taper une deuxième fois. Parce que j'ai le droit de taper une deuxième fois en phase de cac. T'as ça? Ouais, je l'ai. J'ai vérifié. En phase de cac, à la fin d'une phase de combat, je peux réactiver une unité pour la faire taper. Ça me coûte 3 PC. Parce que si je le fais avec eux.
si j'arrive à faire un jet de dé correct moins pourri que tout à l'heure, je peux me débarrasser des stealers et désengager. Ouais. Sinon, c'est la merde. Donc là, tu vas m'obliger à claquer 3 points de com. Parce que sinon, après, tu... c'est la louche, quoi. Donc, ouais. Allez, 3 points de com. Ouais, je vais claquer 3 points de com pour me débarrasser des stealers et me dégraber. Et bon, on y va. 3 plus full reroll. Donc, heureusement, il y a le full reroll. Parce que c'est franchement pas bon. On est sur du 4. Ah, c'est là que tu te captes. Allez, 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 allez. Oh, c'est oh là bon. Là, il y en a qu'une qui passe. Ah putain, t'as la reroll des as. Ouais, allez, j'en ai qu'un seul. Oh, j'en ai qu'un. Oh. Sachant qu'il faut que t'en rates une. Oh, yes, punaise. Oh, ça pue. 3 points de com pour rien. Oh là là, là, tu m'as fait suer. Du coup, ce qui se passe, c'est que il a pas réussi à me tuer. Il fallait qu'il tue un stealer pour se dégraber. C'est pas le cas. Yeah. Donc là, je vais être au chaud, au corps à corps pour cette phase-là, bien que il y a quand même des bails un peu sombres, puisque lui a réussi à lui tout seul, avec ses 3 attaques, à enlever 2 PV sur le Swarmland. Ouais, c'est surréaliste comme corps à corps. Ce qui pique un peu les yeux. Néanmoins, on arrive à la fin de mon tour. J'ai quand même détruit une unité, qui était celle-ci, et je tiens un objectif, qui est celui-là. Donc je mets mes 2 points d'objectif sur le tour. De plus, j'ai fait un objectif sur le... mince. Sur les unités marquées, donc puisque celle-ci était marquée, donc ouais. Du coup je mets un point sur mes secondaires et j'ai une unité dans chaque quart de table, donc je mets un point sur mon recon. Et comme j'ai 2 unités au centre de la table avec les Gaunt et le Broodlord, je remets un point de secondaire, donc en fait je mets un point sur mes 3 secondaires et je vais passer la main à Tildus pour son tour 2. Heureusement que j'ai réussi à rester au close là parce que sinon c'était beaucoup moins drôle pour moi. Donc là voilà. Alors, dans l'idée, je suis quand même plus létal que lui, je me sens pas forcément en danger d'un point de vue létalité, mais clairement il est en train de s'envoler au score, il faut absolument que je remonte la barre. Donc je vais essayer de faire venir une petite unité ici pour au moins scorer un point pour prendre un objet. Je vais essayer de cleaner ici les swarms, les... comment on appelle ça là ? Les Reaper Swarms. Les Reaper Swarms, peut-être même les charger pour essayer de récupérer cet objet pour en avoir 2 et avoir le point... d'objectif sur le fait que j'aurai plus d'objets que lui. Il faut absolument que je finisse les stealers pour avoir encore 2 points d'objets parce que je les ai marqués. Voilà, en gros, il faut que je commence à me mettre un peu sur la table pour scorer un objectif, à sacrifier des unités par-ci par-là, sachant que ce gros paquet-là me fait vraiment peur d'un point de vue létalité, donc tout ce qui va venir ici scorer va mourir. Faut pas que j'envoie n'importe quoi. Alors, j'ai mis une éternité à savoir ce que j'allais faire parce que c'est quand même très compliqué comme situation. Donc j'ai fait venir le piou-piou ici. Pour essayer de one-shot le seigneur de guerre, sauf que sur son seigneur de guerre, son perso qui est sur l'objet, il y a quand même des unités à péter avant, donc on verra avec le Thunderfire si j'y arrive, notamment ici sur cet objectif là. J'ai fait arriver de mes faibles des suppresseurs ici pour avoir un peu plus d'appui feu pour pouvoir commencer à tirer là-bas sur les guerriers tyrannites que j'ai marqué en plus. J'ai mis en unité sacrifice pour scorer un point en éternal ma 2e unité de suppresseur là. Pour tenir un objet, peut-être même 2 avec un peu. Non, pas 2, c'est pas possible, mais au moins 1. Ils vont essayer de faire une petite salve aussi là-dessus, puis après ils vont mourir. Et puis j'ai rapproché un petit peu mes centurions pour avoir de quoi tirer. J'ai gardé en FEP mes Inceptors et mon Chaplain. Parce que franchement, je sais pas encore où les faire venir, il faut que j'attende le 3e tour. Alors on y va, on va commencer par les suppresseurs, hein. Ils sont là pour mourir, mais avant j'espère qu'ils vont faire quelques petits dégâts donc sur les guerriers tyrannides. 6 tirs, force de touche sur 4+. Tu as moins 1, ouais, tu comptes le moins 1. T'as compté ton moins 1 pour toucher? J'ai un moins 1 de base parce que j'ai mon fait. T'as, donc t'as un 2e moins 1 parce que je suis dans le droit, mais Venom 3. Et ben on est sur du 5+. Oui. Donc, ils sont vraiment là pour essayer de faire quelques petites choses. 2 sauvegardes à moins 2. J'ai des saves à 4 de base, donc c'est des saves qui passent à 6. Sauf que j'ignore la PA 1 et 2, puisque c'est dans l'adaptation boulagique que je leur ai payé. Donc du coup, j'ai ma sauvegarde à 4 de base. C'est des dégâts 2, donc quoi qu'il arrive, ça peut pas en tuer plus d'un. Bah, ça en tue un. Voilà. Pouf, net. Net, ok, lui est mort. Donc avec... les 5 qui sont okay. Là vont tirer sur les petits Gaunt. La seconde temps, moyennos. On y va. Sur du 3. Ouais, full reroll parce que je suis à 9 pouces. Ici, tout va bien. Force de 4 en du 3. Oui. Sur du 3+. Le lieutenant il est trop loin, donc 3 sauvegardes. Alors, c'est de la PA-1 si je dis pas de bêtises. Toujours PA-1. Donc j'ai de la save à 6. Et alors la particularité, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, mais une des particularités de l'Imperial Fist, c'est que tu ignores les couverts. C'est ça. De manière
tout à fait général. Donc normalement, j'aurais pu envisager une sauvegarde à 6 de couvert, mais il les ignore. Donc les gaunts, j'ai donc... 3 morts. 3 morts, ok. J'ai donc 3 morts sur les petits gauntas des familles. Alors les Bolter Hurricane vont tirer ici. Ouais. Et les Bolter Lou vont tirer là. Ok. J'ai même pas de quoi faire mon triple d'AK, donc c'est vraiment du tir direct. Sans bonus. Allez, le monde veut te voir te cuter. Bon, j'ai enfin nettoyé donc les gaunts qui étaient ici. Je vais pouvoir cibler le Broodlord avec mon petit piou-piou. J'ai tué les Steelers qui sont ici, donc j'ai fait un petit peu le ménage. Par contre, est-ce que je suis assez bête? Eh oui, j'ai fait une bêtise. Je pourrais pas le cibler. J'ai été bête. Parce que j'ai laissé les petites bébêtes ici. J'ai pas réfléchi, je les bougeais trop vite là-bas. Et j'avais prévu de les faire fêper ici pour tirer. Donc c'est ma faute, tant pis, j'ai oublié quelque chose de très important. Maintenant, je vais faire tirer donc les Thunder. Ah oui, les Thunder, ils vont pouvoir finir là-bas. C'est ça que j'avais prévu. Je savais bien qu'il manquait quelque chose dans mon équation. Alors, le premier Thunderfire va tirer sur les Reapers qui traînent ici. Allez. Pour que je puisse, avec lui, déclencher les tirs sur le Brood. Oui, voilà. Ok. 4 des 3 tirs. On est bon. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'es à 8 tirs. 1, 2, 3, 4. Par contre, j'ose croire que t'as 0 bulle de reroll, c'est ça? Oh, est-ce que je suis assez con pour l'avoir bougé alors que je voulais laisser à côté? Ouais, t'as zéro. J'ai fait n'importe quoi. La fatigue me l'a fait le déplacer ici, c'est complètement con. Bah, tu l'as rapproché pour le corps à corps, hein? Non, même pas. Même pas? Oui, mais je vais saigner les Steelers. Ouais, j'aurais voulu me mettre à portée de tir, tu vois. Tant pis. On est sur du 2+? Ouais. Bon, ça devrait quand même le faire. Hein. Ouais. Donc, même si j'ai pas la relance du 1, on est sur du 3+. 3+. Donc, ça fait 4 sauvegardes. Et t'as PA moins 1. PA moins 1. Donc, j'ai pas de sauvegarde vu que tu ignores aussi les couverts avec ton Thunderfire. Ce qui me fait un socle et un PV. On y va pour les 4 des 3 tirs, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8, 9, c'est bon. 5, 1, 2, 3, 4. J'en fais quand même 2. Là, c'est encore sur du 3. Donc 4 PV. Donc tu ne les tues pas, puisque tu fais 4 PV. Donc lui, il en restait 2. Donc tu enlèves 2. Et lui, il perd 2 PV. Donc il reste un Reaper Swarm à 1 PV. Eh ben, ça suffira pas. Alors, je vais tirer sur les suppresseurs, les 3 qui sont là, sur les tyrannides, guerriers tyrannides. Il faut savoir, c'est des autocanons et donc il y a 48 de portée quand même, ça couvre plutôt bien la map. Donc, on y va sur du 5+, parce que j'ai moins 1, je viens d'arriver de FEP. Moins 1 parce qu'ils ont une petite règle sympa. Par contre, tu reroll parce que t'as Jean-Jacques. Donc, full reroll, hop. Bon, j'en passe quand même 4, ce qui est 4, c'est propre. 3 relance des 1. C'est voilà. Pas nécessaire. Et moi j'ai toujours ma save à 4 puisque j'ignore l'APA. Et on espère que ça va survivre. On en est pas mal, ça nous fait 2 PV sur un Gadjo. C'est joli. Alors je vais tirer avec le laser à destruction. Massive, le canon à destruction. Le canon à destruction, laser destruction. Et je vais continuer de tirer sur les guerriers tyrannides. Alors il faut savoir que j'ai passé tout à l'heure l'horreur avec. Mon Broodlord sur le châssis justement, donc il a moins 1 grâce à l'horreur et en plus il a moins 1 grâce au Venom Trump, donc il a moins 2 et il est dans l'aura de Jean-Jacques, donc 5+, full reroll. Donc on y va pour du 5+, full reroll, j'en passe au moins 2. Ah ça pique. J'en passe que 2. Ok, que 2. On est sur du 2+, relance des 1, donc 2 sauvegardes à moins beaucoup. Bah c'est de la PA moins 4 je crois. Ouais, moins, de toute façon, donc là, là c'est simple, j'en ai un qui fait 3 PV donc il me tue celui qui était déjà amoché. Et le deuxième qui m'en tue un deuxième net puisque le canon en destruction fait minimum 3 PV donc je suis obligé d'en perdre un deuxième. Du coup je vais enlever Jojo l'artichaut qui est juste ici. Alors avec lui, bah, je peux pas cibler lui parce que... Il y a eux qui sont un peu plus près, j'ai pas réussi à les terminer, tant pis pour moi. Alors comme j'ai dit, je vais tirer avec tout ce que j'ai ici sur les Venom Trops, ce qui est très malin. Parce que comme ça, si j'arrive à les défoncer, il y aura plus le moins 1 pour toucher tout ce qu'il y a autour. Ok. Avec un petit peu de réflexion. On y va. Bolter lourd, A4+. C'est pas mal. Un Daka, vu que c'est du Bolter. Endurance. Endu 4, sur du 3. Du 3, donc ça fait 4 sauvegardes à moins 1. À 6, j'ai une save à 5 de base, donc c'est de la save à 6. Donc j'en ai un qui meurt. Hop, ensuite, donc j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les canons d'assaut. Oui, sur du 4+. On y va, sur du 4+, c'est très bon. Ouais. Off. Il y en a une, c'est canon d'assaut, c'est PA-1 ou 2 PA-1. PA-1. PA-1, donc j'ai une petite save à 6. Non, ça fait un PV supplémentaire sur un Venom Trop. Bon, les deux lance-missiles. Allez, ça mange pas de pain. Ça ne touche pas. Si.
Non, t'as moins 1 pour me toucher. Oui, c'est vrai. Et ensuite, je vais finir avec le. Le Bolter Hurricane que t'as pas fait encore. Alors, 12. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Sur du 4 plus. Ce qui est pas mal. Et là, on est sur du 4 plus encore. Bon. Et là, pour le coup, j'ai ma sauvegarde à 5. Père moins 1. J'ai ma sauvegarde à 6. Il faut que je sauve au moins. Il faut que je fasse au moins 1-6 sur ces 5 dés pour sauver un Venom Trop. Puisqu'il me reste plus que 5 PV de Venom Trop et j'ai 5 dés. Allez, un petit 6. Oh, c'est bon, c'est bon, on est sûr. Donc il y en a un qui meurt et lui qui reste à 1, à 2 PV, donc il a perdu qu'un PV. Voilà, tac. Ici, donc j'ai encore mon petit Venom Trop qui est là et qui peut diffuser son aura, sa brumisation de synapse. Ok, sinon bah, j'ai rien d'autre à porter, donc on va passer à la phase de cac. Alors le tout pour le tout, j'ai changé d'idée. Les deux ici vont charger à la fois les Steelers et à la fois le Swarmlord. Qui reste 4 PV. Qui reste 4 PV. Hein. Ça, là, ça prend des risques. Donc, le lieutenant, 5. Ça sera pas suffisant ça pour le Swarmlord. Ouais, ça suffira pas. Donc, au moins, lui, il va pouvoir aller. Voir tataner du Steeler. Le Steeler. Et puis là, on est sur du. Je suis à 9. Ouais, 8, 8, 8, tu l'atteins. Ouais. 7, ça suffira pas. Donc, on va aller tataner du Steeler. Tant pis. Hop. Eh ben, c'est toi qui engage. Bon, comme prévu, le lieutenant a lavé les Steelers qui restaient. Tant mieux, c'est propre, c'est bien. Enfin, comme prévu, c'était quand même gourmand. C'était gourmand. Oui, c'était gourmand, mais ils sont passés crème. Et donc, j'en profite pour refaire mon engagement avec eux pour essayer de venir tataner le Swarmlord. Allez, on s'y colle. Hop, hop. Et hop. Et hop. Donc, je n'ai pas chargé, donc j'ai pas le petit bonus. T'as pas ton petit Battle Shock en plus, là. Donc, par contre, ils ont quand même deux attaques chacun. Donc, oui, ça fait 8 et 1, 9. Le sergent, 9. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Et puis maintenant, faut cheater les dés. 3 plus reroll. On y va. 3 plus pour le reroll. Alors lui il est cassé à relancer. Allez. C'est presque du fou. C'est presque du fou. On est sur 8 touches et on est sur du 5 pour bless. 5 et t'as la reroll des as. J'en passe 2. Et t'as un petit as. Et ça suffira pas. Et ça fait 2 sauvegardes. Et puis autant te dire que je compte quand même les sauvegarder à base de 3 plus. Ouais. Donc et, je suis toujours sous Feel No Pain à 5. Je vais utiliser un point de com et je vais relancer ce jet. Ok, et ça m'a claqué un point de com. Joli. Et maintenant, je vais pouvoir riposter. Donc, le Swarmlord a la particularité, c'est que lui, quand il baisse en PV, il perd pas en CC, il perd pas sur certaines capacités, il perd en force et en nombre d'attaques. Donc là, en gros, je passe à une attaque en moins et je passe à un point de force en moins, ce qui fait que je te blesserai plus que sur du 3+. Par contre, j'ai toujours ma petite attaque de queue. Donc, je te touche sur du 2+. Ok, et je te blesse maintenant sur du 3+. Et les 6 font des mortales, sauf sur le dé rouge. C'est pas mal. Donc ça, c'est deux mortales. Donc il y en a un qui meurt à la mortale. Et okay. Après, tu as 4 sauvegardes à 6. Et après, c'est une sauvegarde normale. Ok, et eh ben on y va. 4 sauvegardes à 6, je les rate toutes. Ouais, c'est dégâts 1. C'est dégâts 3. Oui, c'est sur l'ordre. Ch'touk. Et du coup, je vais piline de 3 pouces vers une unité qui m'embête énormément. Et c'est eux. Et j'en ai un peu marre de me faire pilonner le groin, donc je pense que je vais venir les closer par la suite. Ok. On arrive donc sur la fin de ton tour de Tildus. Et t'as marqué des points. J'ai marqué des points, mais je même suis. Même si t'es pas satisfait de ton tour, j'ai pas aimé mon tour. Non, ça arrive, ça arrive. Stratégiquement parlant, j'ai pas été là. Ceci étant, on va faire le point. Alors, à la fin du tour, on passe sur la phase de morale. Mmh. Moi, je vais utiliser 2 points de commandement pour sauver mes Reaper Swarm. Pourquoi ? Parce qu'ils vont me permettre d'assurer en fait le hold more qui fait que je vais rajouter un point parce que je tiens plus d'objectifs et surtout l'objectif bonus qui dit que je tiens le centre et mon objectif. Donc c'est très bien. Ces 2 points de commandement ils sont importants donc je vais les claquer. Ce qui fait que j'étais à 7, je passe à 5 points de com. Et globalement, sur mon tour 3, je pense utiliser la totalité de mes points de com pour essayer de te fumer le Storm Raven avec Hive Guard et voilà. Ouais. Voilà. Néanmoins, sur la fin de ton tour, on calcule tes points. Tu as détruit une unité, tu tiens un objectif, donc tu mets 2 points sur les objectifs primaires. J'ai tapé 2 unités que j'avais marquées. Tu as 2 points sur le Mark of Death. Le Steeler. Et tu mets 1 point supplémentaire parce que tu tues plus d'unités que moi. C'est ça. Et quant à moi, à la fin du tour, je mets 1 point parce que je tiens plus d'objectifs que toi. Et je mets 1 point parce que je tiens l'objectif du centre et le mien. Ok, donc pour ce tour-ci, je vais essayer encore de marquer un maximum de points. Mon objectif, ça reste aussi de péter absolument ce Stormraven. Là, je vais utiliser l'essentiel de mes points de com pour buffer mon Exocrine, la passer à Damage 3.
passer mon double tir sur les Hive Guard, regagner des PV sur mon Swarm Lord, et je vais aller manger ce qu'il y a là-bas. Je vais essayer de gratter encore un peu de temps sur mes objectifs que je vais perdre au bout d'un moment. Et puis surtout, je vais aller me déplacer vers les Thunderfire parce que j'en ai marre de me faire pilonner le groin. Ou alors, je vais peut-être aller, je vais même peut-être aller avec le Swarm Lord chercher les Centurions. Je vais y réfléchir. Donc là, je vais utiliser 2 points de commandement et je vais regagner des 3 PV sur le Swarm Lord. Et je veux un 5 ou un 6. C'est ce que je veux. Et c'est un 3. Donc j'en récupérerai 2. Ce qui fait que je reste encore en profil dégressif. Je suis à 6 PV perdus sur le Swarm Lord. Alors là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai absolument pas bougé. Parce que comme ça, je vais garder ma reroll des As, vu que je suis Chronos, sur l'Exocrine et les Hive Guard. J'ai rapproché mon Neurotrop de façon à ce qu'il buff les copains avec son sort. J'ai avancé le Venom Trop ici pour qu'il buff les copains avec son aura. Les copains ont avancé là pour tirer, charger, faire des trucs un peu swag. Ouais, sur l'unité que j'ai sacrifiée. Ici, j'ai fait bouger les Ozo pour qu'ils viennent encore couvrir le Broodlord et essayer de tenir l'objectif du centre encore un tour. Là, ici, c'est un oubli de mon adversaire qui, comme c'est petit, il s'est caché. Bon, ben, il a oublié de les charger. Oui. Mais bon, toute façon, je vais pas en faire grand-chose. Si ce n'est que je pense que je vais peut-être charger pour faire un truc un peu swag. C'est-à-dire, je vais tenter de charger les Devastators sans ligne de vue pour économiser des tirs au Broodlord, au Swarmlord. C'est ce que je vais faire. Le Swarmlord, il s'est mis ici. Et l'objectif, c'est de saigner l'unité de Centurion parce qu'elles sont marquées. Et parce qu'elle sature bien et il a une bonne portée avec. Donc, dans son baroud d'honneur, le Swarmlord va essayer de se faire les Centurions. Néanmoins, on passe d'abord sur une bonne phase de magie. Et on commence par le Swarmlord qui va jeter sur lui-même la catalyse. Ça passe sur du 6. On est bon. On est bon pour ce sort-là. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jeter un gros smite dans la mouille de Jean-Jacques. Ouh, ça passe à la fois avec un péril. Et à la fois en D6, donc ça pique les yeux. Ce qui veut dire que moi je vais prendre D3 PV. Normalement j'ai des dés à D3. Ceci est un dé à D3. C'est classe. Ok. Et donc je vais prendre D3 PV moi dans mon nez. C'est un as tout propre, il est net. C'est un as et je vais mettre un D6. Donc c'est un dé, celui-là on ne le voit pas bien. On va prendre ça. Et je vais mettre un D6, attends, il a combien de PV? Eh ben, Boratan, il en a 6. Normalement après un 1 vient un 6. Ah, si tu fais un 6 là-dessus, je reviens plus. Ça va. J'ai eu peur. J'ai quand même passé ma catalyse, donc sur le PV que j'ai perdu, j'ai un film no pain que j'ai réussi. Ah. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on va venir au sort là-bas. Je vais renvoyer une horreur sur le répulsor, encore et toujours. Donc le Broodlord, c'est ça, sur le répulsor. Ça passe sur du 6. On est bon, donc lui il aura moins 1 pour toucher nativement. Eux vont jeter un smite qui va partir là-dedans, c'est l'unité ennemie la plus proche, visible. Donc c'est un smite qui passe de façon normale, puisque c'est le premier que je lance. Donc D3 mortal sur eux, on espère faire un petit 3 ou 4. Ok, j'ai tué un Marines, je suis content. On va envoyer lui. Et après, pour continuer ma phase, là forcément, je vais utiliser mon sort Chronos. Je vais mettre sur les Hive Guard. Là, je prends 30 secondes pour vous expliquer un truc. Avec l'exocrine, le sort est très intéressant parce que l'exocrine, elle a plus 1 pour toucher quand elle ne bouge pas, ce qui est le cas. Ce qui veut dire que si je passe mon sort Chronos, l'exocrine va générer des touches supplémentaires sur du 5 et du 6. Je l'ai expliqué dans un petit trick d'une vidéo sur Corner TV, les amis. Néanmoins, comme son Stormraven met un malus de moins 1, en gros, c'est un malus qui annule mon bonus, donc en gros, je ne générerai que des touches supplémentaires sur du 6. Si on fait de la stat pure, l'exocrine, elle balance 12 tirs, donc je vais générer 2 touches supplémentaires. On peut attendre sur 12 dés de faire 2-6. Okay. Néanmoins, comme je vais faire un double tir avec les Hive Guard, du coup, j'aurai 2 fois plus de chances de faire des 6, donc je vais jeter le sort sur la Hive Guard. Là, j'ai parlé pendant une demi-heure et au final, je vais rater le sort. Bah, c'est un sort qui passe sur du 6 et le neurotrope de base relance les 1 sur les phases de psy. Il n'y a pas nécessité. Donc, les Hive Guard généreront des touches supplémentaires sur du 6 et j'ai fini ma magie. Donc là, j'utilise mon mouvement secondaire du Swarm Lord et l'idée c'est de me cacher un maximum et d'économiser un centurion en moins. C'est-à-dire que j'aurai qu'un centurion qui va m'overwatch. Néanmoins, ça me met une petite distance de charge supplémentaire, mais c'est pas grave, je prends le risque. L'idée c'est de ne pas perdre trop de PV sur les tirs d'Overwatch parce qu'il fait très très mal à l'Overwatch. Donc là, le moment que vous attendez tous, on va faire tirer les Hive Guard sur le Stormraven. Donc je touche normalement à 3. Il me met moins 1, donc je touche à 4. Néanmoins, je suis Chronos et j'ai pas bougé, donc j'ai la reroll des As. Et je génère, grâce au sort,
des touches supplémentaires sur du 6. Donc on est sur du 4 plus, reroll des 1, les 6 font des touches en plus. Un max de 6, les amis. Oh, oh, bah, 6. Oh, ça pique. Alors, il y a 4, 6, et il y a ça, ça passe, et ça, c'est un échec, et il n'y a pas d'as. Donc en vrai, on est sur 12 touches. 8, hein, tu veux dire. Ah oui, non, j'ai dit. On est sur 12 touches grâce au 6. C'est beau, c'est vraiment c'est beau. Et j'ai force 8. Force 8 en du 7. En du 7, on est sur du 3 plus. Aïe, 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 aïe. Allez, détruisons-le. Oh, c'est moche. Il est moche. Oh, c'est moche. Ah, c'est moche. Ok. Ah, ça en fait 6 quand même. C'est pas mal. Aïe, 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 aïe. 6 blessures, c'est pas mal. On est sur de la PA moins 2 et du D3 wound. D3, donc je suis sur du 5 plus. Hein. T'es sur du 5 plus. Allez, là, il faut être bon. Il faut être bon, il faut être bon. Allez. J'en rate 4. 4, tu prends 4 D3 sur la première salve. Ouais. Oh, c'est cochon. 9 et 2. C'est propre. Ouf, 11 PV. Et il en a 14. Hein. Donc il m'en reste plus que 3. Ah, c'est cochon. Et je vais immédiatement utiliser ma deuxième phase de tir. Je vais immédiatement utiliser ma deuxième phase de tir. Ouais, ouais. Voilà. Donc rebelote pour 2 points de com, rebelote. Donc sur du 4 plus relance des as, les 6 font 2 touches. Alors, il y a un as et il y a un 6. Donc celui-ci génère une touche supplémentaire. Ça, c'est un échec. Il y a 2 as. Donc ça, c'est les relances grâce à Chronos. Et je génère un 6 supplémentaire, ce qui fait une touche. Et là, je fais 13 touches. Le 3 est raté. Ah oui, exact. Le 3 raté. Oui. Donc je suis à 11 touches. 11 touches. Et on part sur de la 3 plus. Ouais, allez, ouais, voilà, je vais pas me cutter deux fois. Ah, mais non, mais non, mais non. C'est bon, ça moche. Va suffire, hein. Ah là là. Et tu as 4 sauvegardes à 5 plus. Ah, encore 2. Ah, 2 des 3. Ah, ça va faire le café. Ah, faut pas que je me cut. Ouais, il reste 3 PV. Faut pas que je me cut. Faut pas que je me cut. Faut pas que je me cut. Ah, ça y est, c'est fini. Yes, il est fini. Et on s'en fiche qu'il explose vu qu'il est loin de tout. Ouais. Ici, je vais faire tirer. Donc, j'ai mes 3 canons venins qui sont encore là. Et après, j'ai mes 4. Et j'ai donc 3 canons venins et 3 crash morts. Donc, les 3 canons venins font des 3 tirs chacun. On est sur 3 et 2 et 1. Donc, on est sur 6 tirs. Je touche sur du 4 plus, mais comme j'ai un tyrannide prime, je touche sur du 3 plus. Et voilà, on est sur du 3 plus. Ok. Et après, bah, c'est de la force 9. 2 plus. Donc on est sur du 2 plus. Et c'est de la PA moins. Alors, c'est de la PA moins 2. Et c'est 3 flat par contre. Donc j'ai combien de sauvegardes à PA-2 ? T'en as 4. Donc 4 sauvegardes à... Par contre, je suis à couvert. Par contre, t'es à couvert, ouais. Donc PA-2, ça fait PA-1, c'est à fait du 4+. C'est sur du 4+. J'en réussis 2. Deux sauvegardes qui ont raté, le premier des 3. 1 ou 2, ça fait 2 flats. Ça fait 1 mort, et le deuxième, est-ce que j'en tue un ? Oui, ça fait 2 morts. Et après, il y a les crash morts, on est sur du 3+. Ok, ça c'est bon, ça c'est échec. Et on est sur de la force 5, donc on est sur du re-3+. Ouais. En gros, j'ai de la PA-1, mais qui va s'annuler parce qu'il est dans un couvert. Donc, il a 4 sauvegardes à 3+. Statistiquement, il n'est pas mort. Oh, je tiens. Et il tient dur comme fer. Il tient dur comme fer. Oh, à mon tour de réussir des jets de sauvegarde. Et ce qui se passe, c'est que je vais avoir fini ma phase de tir, parce que j'ai pas d'autres tirs, et je vais immédiatement passer à ma phase de corps à corps. Et mon premier subterfuge va consister à faire charger mes Reaper Swarm sur les deux unités qui sont là, à savoir les Centurions et les petits gaziers. Donc charge à 11 pour les Reaper Swarm, l'idée c'est d'économiser des tirs d'Overwatch au Swarm Lord. Eh ben non, ok. Du coup, je vais déclencher le Swarm Lord. Le Swarm Lord va donc charger les Centurions. Et puis eux aussi, ils sont à 12 pouces. Donc je vais le faire, tant qu'à faire. Je vais les charger. Les deux unités qui sont là. Ok, donc il n'y a que lui qui voit ici. Donc je tire avec mes 12 tirs de Voltaire Hurricane. Alors, les 3 ici, ils font une touche supplémentaire. Donc je rajoute 3. Oui. Je peux tout relancer grâce à lui, mais je serai trop loin pour la relance des 1. Ici, donc j'en refais une et puis c'est tout. C'est violent en contre-charge l'Imperial Fist. Sur du 5+. Mais sur du 5+. Et là, je fais que j'en fais 3. C'est très bien, moi, je trouve. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes. Et moi, j'ai ma sauvegarde d'armure à 3. Et on après, est à PA-1. Donc, j'ai ma sauvegarde à 4+. Et après, j'ai mon Finopane à 5. Allez, au moins une. Allez, 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 allez. Oh, oui, il en reste combien, là? Il ne reste pas beaucoup. Il m'en reste. Je repasse à... Je repasse pas dans mon profil dégressif, mais il me reste 4 PV. Les 6 Voltaires lourds. Ah, on les avait oubliés. Je les avais oubliés ceux-là. Ah non, moi je les ai pas oubliés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y va. Donc là, yes, je suis encore une touche supplémentaire. Et je relance tout. Oh là là, faut pas que je perde. Ah, j'en refais 2. Oh là là. 5, on est sur du 5+. Sur du 5+.
Une sauvegarde à moins 1 encore. Allez, là il faut pas que je la rate. La save à 4. Le film de Payne à 5. Du coup, j'ai perdu un PV en plus, donc il lui en reste plus que 3. Et ce qui veut dire que je suis sur le dernier palier en vérité. Je suis sur le dernier palier. Je vais charger quand même. Je vais charger. Ça mange pas de pain. Double 1. Tu l'as vu. Tu l'as vu arriver. J'ai cru, tiens. J'ai cru. Ah, donc il va y aller. Et il va venir. Il va venir se mettre ici. Ici, on est sur une charge à 10. C'est parti. On va faire le tir d'Overwatch, hein, bien évidemment, après. On est sur une jolie charge ratée. Et ma foi, éventuellement. Bon, j'ai quand même les deux petits tirs en état d'alerte. Oui. Un qui passe. Oui. Et à moins 2. Je m'asseye à 6. Enfin, je m'asseye à 4, pardon. Vieux cochon. Ok, donc là, ici, la charge est ratée. Tant pis pour moi. Yes. Le Swarmlord va donc taper sur les Centurions. Je suis à mon dernier profil, ce qui veut dire que je vais avoir plus que 4 attaques et force 6. Je touche quand même sur du 2+, et je vais utiliser mon dernier point de com pour re-roll mes blesses. Allez, il ne faut pas d'as, c'est parti. Le petit dé supplémentaire, c'est l'attaque de queue. Il n'y a pas d'as. Il ne fait pas d'as. Ok, ça c'est bien. Ensuite, je vais blesser sur du 3+, relançable, parce que j'ai utilisé mon point de com. Ce qui est très bien. Allez, au moins ratons une. Allez. Ah, j'ai raté celle-là. Et j'ai pas de 6, donc je fais pas de mortel. Par contre, il a 3 sauvegardes à moins 3. Donc tu as une sauvegarde à 5 du coup. Ouais, et ça fera des dégâts combien? Et c'est 3 flats. Donc déjà, allez, les sauvegardes à moins 3. À 5. Ah, j'en reçu une. Donc dégâts combien tu m'as dit? Bah, 3. Dégâts, flat 3, ouais. Donc t'en tues un net parce qu'ils ont 4 PV. Ouais, ils ont 4 PV. Donc il y en a un qui meurt. Donc tu vas enlever. Faut que j'aille la porter celui-là. Yes. Et l'autre. Je vais te payer à combien? La sauvegarde, c'est pas de paire, t'as une save à 2. Mais je te la mets, en vérité, je te la mets en premier, sinon ça n'a aucun intérêt. Bon. Ça passe. Bon, c'est bon, ok. Donc c'est bon, il n'y a pas besoin de. J'en perds qu'un. Ok, donc voilà, et je vais faire un petit mouvement de pibille. Et je tape. Mais oui. Et je tape. Et si je peux t'enlever les deux derniers PV qui te restent? 3 PV. Alors, je vais donc riposter avec mes centurions. Il me les a chargés, donc ils avaient donc 4 attaques chacun, plus une pour le sergent. Ça fait 9. On y va, 3+, relance de tout. Allez. Zut, j'en reste une, c'est pas grave. Maintenant, on est sur une force de. Je me rappelle plus. Force de 5. Force de 5 sur une enduit. Tu blesses sur du 5. Sur du 5. T'as encore un dé là. Allez. Pas de relance, pas de PA. Et ben, j'en fais quand même 3. Et il a 3 PV, donc il va se craquer, on n'en parle plus. Non. C'est... Sauvegarde d'armure à 3+. Et je vais utiliser. J'ai plus mon dernier point de com, donc j'ai Feel No Pain à 5. Et ça fait un 1. Donc je perds 1 PV. Il lui reste plus que 2. Paf. Dans l'œil. Et voilà, j'ai fini mon tour. Je vous propose qu'on se retrouve pour le débrief de fin de tour. Fin du tour 3 de mon côté. Alors, j'ai mis un point parce que je tiens un objectif, celui là-bas ou peu importe, que sais-je. Je mets un point parce que j'ai tué une unité. Donc ça, bon, les deux points d'objectif primaire de mon tour sont faits. Okay. Ensuite, je vais me remettre un point sur mon objectif secondaire Mark for Death puisque je tue le Stormraven, qui faisait partie de mes unités marquées. Je vais remettre un point sur mon Recon puisque j'ai une unité dans chaque quart de table. Et je vais remettre un point pour mon King of the Hill puisque j'ai deux unités dans le centre de table. Ce qui m'emmène à 5 points supplémentaires sur ce tour-ci et donc à 16 points. Actuellement, tu es à 5, mais tu n'as pas encore joué ton tour 3. Ouais, le Tyrannide, c'était prévu qu'il score beaucoup en début de tour, enfin début de partie. Faut que je me réveille, hein. Faut que je fasse quelque chose. Hein. Parce que sinon, je te rattraperai plus. C'est donc, maintenant ou jamais, c'est le T3 qui va faire la guerre. La main est à Tildus pour le T3. Dans l'idée, hein. Lui, il va rester là, c'est très bien parce qu'il va me rapporter un petit point d'objet. On va cliner le dernier petit point avec un des Thunder. Eux, ils vont venir ici pour se débarrasser de cette menace, pour que je puisse, j'espère, arriver à commencer à tirer là-dessus. Là, il va falloir que je me débarrasse du Swarmlord. Je vais sûrement désengager et puis tout tirer dessus. Donc je vais perdre des centurions, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Ouais. Et puis évidemment, il y a la FEP qui va arriver ici avec les 6 Inceptors et puis le chapelain avec la bonne litanie. On se retrouve donc à la fin de la phase de mouvement de Tildus. Alors, fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir mes Inceptors ici. Il n'a pas dit j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le but du jeu, c'était évidemment, c'est d'exploser tout ce qu'il y a au milieu. Alors, pour exploser tout ce qu'il y a au milieu, bah déjà, ça, je pourrais les cibler. Lui, il n'est pas encore ciblable, mais avec les Thunderfire, je vais essayer de laver le dernier petit point de vie qui traîne de Reaper Swarm. Là, je vais essayer de laver aussi la petite unité de Reaper Swarm ici. Lui, je vais le laver au tir maintenant que j'ai désengagé. Et lui, eh ben, il va rester là le temps de gagner un point d'objet avant de mourir.
Alors, le premier Thunderfire ici va ici enlever le dernier petit point de vie qui traîne. Ça, c'est fait. Il est mort. Je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Il se sent plus à l'aise. Là, on sent qu'il y a quand même une récupération d'énergie côté Imperial Fist. Donc, c'est là qu'il faut se méfier. C'est là qu'il faut se méfier. Oui, je suis sorti de mon coup de barre. La prédigestion, je suis prêt là. Bah, maintenant, on va faire tirer les incursors directement sur les Reaper Swarm et puis les finir au cac. C'est ma 6. Je perds un socle et un PV. T'enlèves le devant sur ouais, bien sûr. Et donc, et lui, il reste 2 PV, c'est ça ouais, c'est ça. Les deux petits persos, les trois petits persos qui sont là vont tirer sur le Swarm Lord. Un par un pour essayer de se le faire, pour éviter, pour économiser un peu les tirs de... Du reste. Du reste. Voilà. Alors, on est sur de l'assaut 3 avec le capitaine. Ah bah là. Full touche. Full touche, évidemment. On est sur du 5. On est sur du 5. Reroll des As, je suppose que t'as ton lieutenant dans les bails. Et une sauvegarde. Une touche, t'as de la PA ? Non. On est sur de la sauvegarde à 3+, et c'est sauvegardé. Ok, maintenant on va faire le chaplain. Le chaplain, c'est pareil, il a un pistolet. Ah, petit pistolet des familles. Petit pistolet. On est sur du 2. Mais c'est reroll des As. Ça passe. On est sur du 5 et c'est reroll des As. Tracassé. Ça passe pas. Maintenant j'ai le petit lieutenant, donc c'était vraiment pour la forme. Ouais, là, ça, là on sort les tirs de derrière les fagots. Alors hein. Tir rapide 1, donc il a 2. Yes. Tir, ça touche. Ça blesse sur du 5, reroll des As. Une sauvegarde. Une, j'ai pareil, ma petite save à moins 3. 1. Ah oui, c'est raté. Et j'ai mon petit Finopain à. Dégâts 2. Dégâts 2, le Bolter de maître, monsieur. 2 Finopain. S'il te plaît, rate les deux. Oh là là, c'est très moche. C'est à 5, hein, c'est ça ? Une opaine à 5. Oh, le cochon ! Le cochon ! Le Swarmlord domine. Le cochon ! Moi, je dis, tu vas pas le tuer à ce tour-là, mon gars. Alors, je vais faire tirer tout le petit bazar ici, directement sur l'unité de Venom. C'est des zoanthropes. Et j'ai été bête parce qu'il avait la relance des 1. Donc j'aurais bien dû le mettre là-bas. Ah. Donc j'étais bête. Tant pis. Alors ils sont 6. Donc 6 tirs chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les envoyer par 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se rappelle qu'il y a du DACA sur du 6. C'est oui. L'assaut, donc j'ai pas de malus pour tirer. Donc je vais envoyer 3 fois ça. Oui. C'est parti. Il faut être bon là. Donc ça fait déjà 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On est à 21 sur 24. 22, 23, 24, 25, oui. 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 sur 36. C'est bon, propre. 1, 2, 3. On est sur de la force de 5 en du 4. On est sur du 3. Sur du 3+. Allez, il faut que je tanque là. Là, il faut activer la machine à tanque là. Pas de reroll, rien. Je suis c'est moche. Pas 20 000 lieutenants. Oh, je m'en veux pour la. Ah, il est moche. Oh, le G, il est moche. Et il est horrible. Alors, j'ai quand même. Ouais, ça va. Ça, non, oh, est-ce que c'est laid. Ah, c'est laid. Tout ce que j'aurais pu relancer tout ça avec. J'ai pas bien joué là. Bon, tout ça de sauvegarde à 3+. Allez, ils ont combien de PV chacun ? J'ai 9 PV au total de. Allez, c'est pas stat. Hein. Il va falloir que j'y aille, je pensais que tu aurais plus ça. Allez, on y va. 3+ invus. J'envisage 3 PV perdus. Uniquement 3 PV perdus. Ça va être un peu plus. Oh, ça fait le café. Ça va être un peu plus. Ouais, un mort, bon. Deux morts, ouais, bon. Trois morts, ils sont morts. Ouais. Ouh. Bon, je ne me reprocherai pas d'avoir très mal placé mon chaplain. Bah, à part le destructeur laser que je vais envoyer directement sur les guerriers ouais, Prime, ouais. Tout va tirer sur lui. Ok. Je suis bête, je suis à portée de rien d'autre. Oui. Bon, on n'oublie pas qu'il a quand même moins 1 pour toucher. Vous pouvez croiser les doigts, vous derrière votre écran, pour la survie du Swarmlord, même si l'espoir est mince. Ça, c'est déjà vu. Et surtout, voilà, l'avenir va nous le dire très rapidement. Et bon, on y va. Donc, il y a le moins 1 pour le toucher, c'est ça ? Ton véhicule a moins 1 de manière générale. J'ai passé l'horreur. Ok, et bon, on y va. Donc, c'est tout sur du 4+, relançable. Donc, je commence par le Bolter lourd. Allez. 4+, relance de tout. Hop. Très bien. Et ça fait un DACA en plus. Oui. On est sur du 5 en sur du 5. Sur du 5, relance des 1. Donc, ça fait 2 sauvegardes. Allez, ça fait 2 sauvegardes. Et à moins 1, le Bolter lourd. On est sur la save à 4. Et on est sur du Finopain à 5. Et on perd un PV, il ne reste plus que 1. Ouh là là, il saigne lourdement le Swarmlord. Bon allez, j'y vais à la Gatling maintenant. Ah là, ça y va à la Gatling. Oh, j'y vais pas au lance-grenade, on y va au lourd. Oh. On y va, 4+, on va tout. C'est quand même pas joli. Hein. Ah, et franchement, c'est les bulles chez les Space Marines, c'est un truc de ouf. Quoi. Ça te donne une efficacité en termes de tir, c'est d'une violence. On est sur du 5.
Force de 7. Ah, force de 7 force non, de 6, non, Gatling, c'est force de 6. C'est force de 6. T'en as qu'une qui passe. Oh la vache, c'est mieux. PA-1 oh, toujours ou moins 2 bah, PA-1, ça, j'ai navi à 4. PA-1. Quoi qu'il arrive, tu n'en passes. Il tient. Il a tenu la Gatling. Ah, punaise. Il va tenir, le gars. Il va faire son intervention héroïque. De Walter Storm, tir rapide 2, 3 tirs 1, on y va. Heureusement, je relance tout. T'as un 6. C'est du Walter. Merci. On sur du 5. 5. Oh, c'est ah, il m'en passe 3. 3 sauvegardes, allez. Allez, save à 3. Oui. Ah, aïe, aïe, aïe. Il y a 5, je suis sur un. Oui. Oh, le cochon. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il nous reste? La mitrailleuse Ironclad. Ah. Tout, oui. 3 de mitrailleuse Ironclad. C'est celle-ci qui t'a le plus un, t'as moins 1 quand tu tires sur... Non, c'est après ça. Ok. Là, tout passe. On est sur du 5. 2 sauvegardes à moins 1. Il a vu un 4, solide. Moi, oh, j'en peux plus, là. Ah, le Phil ne paye un 5. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, il est mort. Est-ce qu'il explose? Tiens, oh, dans tes dents. Non. Oh, j'en peux plus de face de tir. J'en peux plus de ce Swarmlord. Ah, punaise. Et voilà, le Swarmlord, il est tout mort. On va quand même faire le tir du canon destructeur. Alors, le canon destructeur sur les guerriers de tyrannie de la main. T'as moins 2 pour hit avec le canon destructeur. Donc on y va. Sur du 5 relançable. Ch'touk. Sur du 2 relançable. Relançable. Allez, PA moins 4. Eh ben ça fait. Il y avait déjà un qui avait perdu un PV, je crois, non? On était net. Donc c'est ça... du dégât 3 flat, tu sais, minimum. Donc c'est 2 morts. 2 morts net et sans bavure. Ok. Mes suppressors, bah, comme prévu, maintenant qu'il n'y a plus de Swarmlord, vont tirer sur les guerriers tyrannides. Et puis après, je pourrais tirer lui aussi. Donc je fais les cires sur les guerriers là-bas. Allez. J'avais dit 4 plus. Bah, 4 ils plus ont 3 plus, 4 plus, c'est bon. Mmh, 4 plus relançable. Ça touche, ça touche. On est sur du bon Imperial Fist là. PA. 3 sauvegardes à moins 2. Donc je fuck la PA moins 2, donc je suis sur ma sauvegarde à 4. De... Oh chouette. Oh, dégâts 2. Dégâts 2, ça fait 1 mort et 2 PV. Ah, ça saigne un petit peu là. Ils ont. Ouais, il y en a un qui reste 1 PV. 1 mort et 2. Attends, je vais mettre des petits tokens, ça ne te dérange pas. Et on continue. Lui continue de tirer là-dessus. 4 plus. Scène plus, pardon. Ouais. Et c'est réglé. Alors, fin de ma phase de tir. Je vais essayer de finir les Reaper Swarm en charge. Donc, je les charge et ensuite, je les tabasse. Ça y est, je les ai éclatés. J'en ai fait du sushi. Et puis, j'ai fait ma consolidation pour essayer de plus tard d'aller chercher cet objectif-là. Alors, j'avais oublié, il me restait un Thunderfire à tirer. J'ai ciblé le dernier Zoanthrope et je l'ai tué. Voilà, donc propre. Net. Net et sans bavure. Alors, je commence à revenir un peu au score, cool. Au niveau du point, donc je tiens un objet, 1 point, j'ai tué au moins une unité, 1 point. J'ai tué plus d'unités, 3 points. J'avais marqué 2 unités, le soir l'homme que j'ai pété et les zoanthropes que j'ai marqué, donc je les ai toutes pétées. Et donc je suis à 5 points sur ce tour. Ce qui fait que je remonte à 10. Il fait 16 à 10 à la fin du tour 3. Je remonte. Et là, on va passer le cap qui est de se dire moi, je vais maintenant avoir du mal à contrôler le centre de table parce que ça va piquer au moment. Donc, j'ai plus d'unité écran. Ouais, là, ça va petit à petit rééquilibrer le score, ouais, je pense. Ouais. Il va falloir juste, moi, que je gère judicieusement les positionnements et essayer de m'économiser. En tout cas, moi, néanmoins. Je me sens mieux, en tout cas. Moi, ça m'a permis de voir aussi que j'ai fait deux grosses erreurs sur ce tour-là, sur mon tour 3. C'est que déjà, je me suis planté sur le séquençage de tir quand j'ai tiré avec mes Hive Guard et mon Exocrine. Parce que j'ai utilisé 2 points de com pour refaire tirer mes Hive Guard sur le Stormraven, alors que l'Exocrine aurait sans doute enlevé les 3 derniers PV sur le Stormraven et j'aurais pu faire mon tir supplémentaire des Hive Guard pour tuer le dernier gars qui était ici. Ouais. Ce qui faisait que, du coup, déjà, je tuais une unité supplémentaire et surtout, tu marquais pas de points d'objectif. Et j'aurais marqué un Old Mort en plus. Donc, ça me fait perdre des points de com inutilement et ça me fait perdre 2 points d'objectif. Donc ça, c'est une première erreur. Et la deuxième erreur que j'ai faite, et pour moi c'est la plus lourde, c'est le choix de charger avec mon Swarmlord sur les Centurions. C'était une très mauvaise idée parce qu'il y avait peu de chances que je le tue et j'aurais dû plutôt aller sur les Thunderfire pour les bloquer pour ne pas qu'ils puissent tirer, ce qui aurait fait en plus qu'il n'aurait pas pu tuer mon petit Reaper Swarm là-bas esselé qui aurait encore tenu l'objectif et qui aurait fait que je marque en plus le point bonus. Donc en fait, à cause d'erreurs de jeu, parce que j'ai mal joué, je perds 3 points sur ce tour. Donc j'aurais pu éventuellement, au lieu de me retrouver à 16 à 10, j'aurais pu éventuellement me retrouver à 19 à 9.
ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais bon, c'est le jeu, on fait les erreurs. Alors du coup, ça veut dire, moi j'ai fait un mauvais T2 où je suis pas content du tout, t'as fait un mauvais T3, voilà, donc on n'oublie pas que c'est le déconfinement, on n'a pas joué depuis une semaine. C'est la partie post-apocalyptique du déconfinement. Oh, il faut le dire, il faut le préciser. Voilà. Donc on passe sur le tour 4. C'est parti. Alors, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur mes Mark IVs, j'ai encore l'unité de Centurion qui est marquée, que je n'arriverai clairement pas à atteindre, parce que là, j'ai complètement quitté cette partie-là de la table. Comme je vous l'ai dit juste précédemment, à cause d'erreurs de jeu, bah c'est comme ça. Quand on est mauvais, on le paye au bout d'un moment. Donc, Mark IVs, je vais clairement pouvoir me le mettre en croix parce que j'ai plus de points de com, j'ai plus moyen d'aller taquer ces centurions s'ils n'avancent pas. Et eux, bah, c'est pareil, ça va être difficile d'aller les chercher. C'est deux unités qui sont marquées. Ensuite, le Recon, je vais pouvoir m'asseoir dessus aussi puisque je ne vais pas avoir de quoi occuper les deux quarts de table ici. Éventuellement, je pourrais sacrifier le Broodlord, mais je vais contrôler un quart de table. Et il y a un quart de table qui va rester vide. Encore une fois, je me le mets dans l'œil parce que erreur sur cette histoire de Thunderfire. Ça, c'est la plus grosse erreur, je pense. Et donc, ça, je peux l'oublier. Le Mark IVs, le Recon. Et après, le centre de table, ça, je peux encore éventuellement compter dessus. Mais ça va demander des sacrifices d'unités. Donc, à voir ce qui est intéressant. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais aller me débarrasser de ce gars-là, là-bas. Les Hive Guard vont tirer si eux sont à 36 pouces. Je ne sais pas, c'est à vérifier. Mais de toute façon, globalement, ça ne va pas beaucoup bouger. Et puis, là, la partie va clairement, de mon côté tyrannie, la partie va clairement se ralentir parce que j'ai plus énormément d'options de jeu. Fin de ma phase de mouvement du tour 4. Alors là, de façon très simple, j'ai décidé d'advance avec mes guards pour. Bah, j'aurai un malus pour tirer sur l'autre astico, mais quoi qu'il arrive, c'est moi qui prends l'objectif puisque je suis de la troupe chopée plus. Donc je m'assure de prendre un objectif et éventuellement de tuer ce petit gars. Mes Hive Guard vont pouvoir shooter ces petits incursors un peu chaud. Le Broodlord, il passe par une étape de planque. Puisque l'idée, c'est de le planquer là, de façon à prendre un minimum de tirs sur le prochain tour. Et après, éventuellement, venir un peu agresser, faire des trucs un peu stylés. Donc voilà l'histoire. J'ai sorti le gros cul de sa zone. Parce que concrètement, ici, je ne ferai plus rien. Et je prends le risque. Bah, je vais prendre, de toute façon, je vais prendre les tirs de canon destructeur du répulsor. Mais éventuellement, je vais enfin pouvoir faire quelque chose avec le gros au prochain tour. J'ai fait une advance et j'ai fait un. Donc voilà, c'est dommage, j'aurais bien voulu bouger un petit peu, mais là je suis à sec de PC. Je passe de suite sur ma phase de magie qui va consister à jeter l'horreur sur cette escouade là. Donc ça passe sur du 6, ça passe. Ensuite, je vais jeter le sort sur les Hive Guard avec. Faut une ligne de vue ou pas? Non, c'est une bénédiction, d'accord. Pas besoin de ligne de vue. On est sur du 6 aussi, tout ça passe. Et voilà, j'ai fait le tour pour mon psy de manière générale. Et je vais de suite passer à ma phase de tir et je vais commencer par faire tirer mes Hive Guard sur les trois gars qui sont là. Ils sont combien? 5 4. 4. Yeah. Ok, les Hive Guard, je balance 12 tirs, je le touche à 3, je relance les As et les 6 on les touche en plus. Donc normalement, c'est plutôt stable. Ok, on est stat pur puisque je fais 2-6, ce qui fait que je fais 14 touches. Ok, c'est du bon anti-marines. Pourquoi? Parce que j'ai de la force 8, donc je vais le blesser à 2+. J'ai de l'AP à -2, j'ignore le couvert, donc il lui restera que de la save à 5. C'est parti, bon. on est sur du 2+. Ouf. Il y a 3 as. Il y a 4 as. Non. Non, j'ai pas de reroll des as. 4 as, donc là c'est de la save à 5. Donc c'est de l'AP à -2. Hein. Ouais, AP à -2. Et une couvert. On y va. Il en save 3. Donc là, je suis parti sur les dégâts 2. Hein. Non, c'est D3. Le premier, un mort. Le deuxième, 2 morts. Le troisième, 3 morts. Et après, il va mourir. Okay. Et là, il a fait son job. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 3 canons venins qui me restent là-bas, qui ont advance. Donc, je vais avoir -1 pour le toucher. Néanmoins, je suis toujours dans l'aura de mon Tyrannid Prime. Donc, je vais le toucher sur du 4+. Donc, d'abord, je fais les 3 des 3 tirs. On est sur 3 et 1 ici. Donc, on est sur 6 tirs. On est bien stat. Je le touche sur du 4. J'ai aucune relance d'aucune sorte. Et oh, c'est un full échec, c'est très très moche, donc voilà, c'est très très laid. Par contre, j'ai mon Tyrannid Prime qui lui n'a pas advance et qui lui a un crash mort, donc lui il a 3 tirs de bolter lourd. Il va toucher sur du 3 et il va blesser sur, c'est de la force 5, perd -1. 3+. Sur du 3+, voilà, perd -1, il a 2 save à 3 à faire puisqu'il est à couvert. Oh, je tiens. Eh, mais ce petit gars, il va tenir toute la partie. Hein. C'est un peu la vie. Yes. Hein. Et donc globalement, dans sa globalité, j'ai fini ma phase de tir. En phase de charge, bah,
Eux ne peuvent pas charger puisqu'ils ont Advance. Par contre, je vais quand même faire charger mon Tyranny Prime, histoire de tuer deux unités et le rendre pour lui l'accession plus difficile au point de, voilà, de non-retour. On est sur une charge à 9, contre-charge d'autocanon. Ouais. Contre-charge d'autocanon. Ok. C'est réglé. Et la charge à 9, ça règle aussi. Ok. Il va rester là, ce petit gars. Génial. Et bah, globalement, je vais pas déclarer de charge. Enfin, si, j'ai raté ma charge, donc voilà, il n'y a pas de charge supplémentaire. Je finis mon tour, je contrôle un objectif, j'ai tué une unité, je mets donc 2 points. Et comme je l'ai dit de façon subséquente précédemment, je mets plus de points de secondaire. Et donc voilà, et je passe la main à Tildus pour son tour 4. Début de mon tour 4. Clairement, le centre ici va être condamné jusqu'au tour 6 où je vais essayer de rusher dessus, on verra. Parce que là, il y a de quoi m'asmater tranquillement et hors de vue. Donc, eux, je vais les faire aller. Il y en a un qui va se poser sur l'objet et le reste va tirer sur le Broodlord. Lui, avec son gros canon, va essayer de commencer à exploser l'exocrine et puis les suppresseurs vont pas bouger, ils vont faire la même chose là-bas. Les centurions, ils sont à portée de rien. Je vais peut-être les avancer un tout petit peu pour me rapprocher du centre, mais en mettant hors de portée de tout ce qui peut me tirer là. Les Thunderfire, ils sont bien. Et lui, eh ben, je vais venir le mettre derrière les Inceptors. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'avais prévu de faire. Les Inceptors ici pour prendre l'objectif, tirer sur le Broodlord. Les Thunderfire qui vont essayer de pilonner les trois derniers ici pour que je puisse prendre l'objectif en avoir deux. Les choses se tiennent. Et les gros machins lourds et violents ici vont tirer sur l'exocrine. Ah, enfin le gros machin lourd. En fait, le gros machin lourd vu que le reste n'est à portée de rien. Alors, je commence avec les 5 Inceptors qui vont tout mettre dans le Broodlord. Les Bobby vont tirer dans Dylan. On est sur du 4+, puisque je lui ai passé l'horreur. Les 6 sont les touches supplémentaires. Alors, j'ai quand même 3-6. Donc, 3, de 6. Toute façon, ça me rajoute 3 touches. On est propre. Tout ça, c'est bon. 4, tac, tac. Bon, on va enlever les 1 et les 2. Et les 3, monsieur, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Hop. Ça va. Force de 5, endurance 6. Oui, monsieur. Sur du 5+. 5, relance des 1. Qu'est-ce qui te file la relance des 1? Lui. Chapeau. Ok, naturellement. Il est bon, ce chapeau. 4. Non, j'aurais pas dû me mettre à portée de le charger, dis donc. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, j'étais un peu trop confiant. Et 2 de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sauvegardes. Il n'en a que 6 lui, non? 2 sauvegardes à combien? Sauvegardes à... Bah t'as une paire en plus là-dessus. Ouais, j'ai une paire de moins 20. Donc j'ai mis mon avis à 5. 1 vers 5. Ah, je pense qu'il est mort. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est mort. Oh non, mon Broodlord, là ça pue. Alors maintenant, on va faire tirer. Donc la grosse Bertha ici va tirer sur l'exocrine. Le monde et les suppresseurs vont tirer sur les exocrines. Je vais tirer avec les suppresseurs. J'en ai deux qui étaient à portée directement et le troisième que j'ai dû déplacer. Donc je tire avec ceux-là. Ça sera du 3+ full reroll. Hop. Et ceux-là, c'est du 4+ full reroll. Et ben c'est presque un sans faute. Hein. Maintenant, c'est de la force de 7 sur un du 8. On y va. C'est du 5, relance des 1. Ah, ça fait quand même 3. 3 PA moins 2. Ah bah, écoute, 3 PV moins 2. Sur de la CIA à 5. Ouh, 4 PV. 4 PV, ça commence. Il descend à 10. Il reste plus que 10. Maintenant, on va se tirer avec la grosse Bertha. Ah. Qu'on aurait dû avoir la litanie si j'avais su jouer mon chaplain comme il faut. Ah ouais, première partie avec un chaplain, j'avais pas le réflexe parce que c'était en début d'une ronde les litanies. Donc 4 tirs. Je relance tout, faut que je passe tout, j'en rate 1, ça m'embête. C'est bien, moi ça m'en va. Force de 10, on est sur du 3+. 3+, pas allez, de 2. Je fais des 1, pas de 2, j'en fais pas. 3 sauvegardes à moins 4. Ah ouais, j'ai pas de sauvegarde là pour le coup. Donc c'est 6 PV, 9 PV net. Non, parce que c'est des 6. Hein. Ah oui, c'est 3 minimum net. 3. Il suffit que je fasse 1, 4, 5 ou 6 sur l'un des dés, c'est bon. Oh, c'est bon. 3, 6 et 4, 10. Eh ben, mon exocrine est morte. Oh la vache, propre. C'est triste. Lui va tirer là-dessus. Oui. Et ensuite, je fais tirer les Thunderfire, enfin là-dessus, en fonction de ce que je vais faire. Ah, il est mort. Allez. Ah, c'est triste. Ah oui, là, je fais un bon tour, là. À la fin du round, donc moi, je tiens un objet. J'ai tué une unité. J'ai plus d'objets. J'ai tué plus d'unités. Je suis à 4. Bam, 4 points, bim dans mon groin. J'ai plus de Market for Death parce que j'avais défoncé. T'as déjà les 4. Tué les 4, t'as déjà marqué les 4. Le Ground Control, c'est à la fin. C'est à la fin. Et le Old School, j'ai rien fait. Voilà. Donc 4 points. 4 points, ce qui t'amène à 14. Et moi, je suis à 18. L'écart se resserre. On passe sur le tour 5. Et je pense que le tour 5, côté
Tyrannide va être somme toute très rapide. Début du tour 5, alors globalement et très simplement, il me reste 3 unités, les Hive, le Neuro et Bobby. Je veux tuer lui, donc là c'est Bobby qui doit s'en charger à coup de Death Peter et de corps à corps. Normalement ça passe. Il aura tenu 3 tours sur cette Easy Cash Money Gang. Lui il est un petit peu bloqué parce que un peu partout où il aille, de toute façon il va s'exposer. Alors ce que je vais faire, c'est juste que je vais le déplacer un petit peu pour une advance ici au dernier tour. L'objectif pour moi, c'est de plus lui donner de cible et de plus lui donner de capacité de scoring. Voilà, je garde mes Hive Guard qui sont un bon gardien de but pour l'objectif central. Mon objectif, c'est qu'à la fin de, c'est qu'à son tour, en fait, il n'est que les deux Thunderfire qui tirent. Et j'en reviens encore une fois à cette erreur de jeu qui était de ne pas avoir chargé ces deux maudits Thunderfire, parce que ça m'aurait clairement changé la partie. C'est comme ça. Du coup, mon mouvement est très simple. C'est que lui, il va avancer là et lui, il va venir se positionner ici. Ok, c'est good. Je vais faire tirer mon Tyrannid Prime. Il va toucher sur du 3 et il va blesser sur du 3. Il est chaud. Il y en a deux qui passent. Et il y en a 3 qui passent, ça lui fait 3 sauvegardes sans PA, j'ai une PA moins 1, mais il est dans le couvert. A 3+. Allez. Bon, oh, oula. Voilà. Il était fatigué par la partie, lui. De manière générale, j'ai fini mon tour, puisque je suis caché de toute son armée, hormis les Thunderfire qui globalement vont saturer partout. Je mets un point parce que j'ai tué une unité, je mets un point parce que je tiens un objectif, et je passe la main à Tildus pour la suite de son tour 5. Alors, clairement, au début de mon tour 5, il reste un tour et demi, j'ai un différentiel de 6 points à rattraper. Il faut que je me mette sur la table. Tant pis si je me mets à porter des half-guards, mais là, il n'y a pas le choix, il va me péter une unité, mais il faut que je récupère des objets. Donc, je vais avancer les suppressors, je vais avancer les inceptors, je vais avancer le chaplain, qui va peut-être rester sur l'objet, mais là, il faut que je me place sur la table. Comme prévu, j'ai rushé. Mon chaplain ici, hors de portée, qui restera toujours planté sur l'objet. Celui-là, je l'abandonne, mais je vais quand même péter ce qu'il y a dessus pour qu'il lui, il score pas. Tout le monde va se mettre là parce que de toute façon les Half-Guard ils vont forcément péter une unité. L'idée c'est que même si on pète une des trois, au moins quelqu'un pourra venir se planter sur l'objet au tour 6. Et j'aimerais bien au dernier tour, je dois absolument péter une unité, j'aimerais bien péter lui. Alors comme prévu, le premier Thunderfire va tirer celui, sur le Tyrannid Prime. Le Tyrannid Prime, pas le choix, faut que j'enlève. Allez, 4 des 3. On y va, 1, 2, 3, 4, ça 5, fait 6, 9. 8, 9. Mon dernier tour va être très simple. Je vais déjà pour ma phase de mouvement, ce que j'ai fait, c'est uniquement de bouger mon neurotrope pour en fait pouvoir jeter mon sort sur mes Hive Guard. Et voilà, donc lui il va pas bouger, il va tenir un objectif pour me faire prendre un point. Donc et bah, tout simplement, je vais jeter mon sort ici. Ça passe sur du 6 et ça passe. Du coup, les Hive Guard vont pouvoir tirer et faire une touche supplémentaire sur du 6. J'ai fini ma phase de magie, je vais directement faire ma phase de tir. Donc les Hive vont tirer sur cette unité là et essayer de prendre un kill point sur ce tour encore. C'est parti, on est sur du 12 tirs qui touche à 3, reroll des As et les 6 font une touche en plus. J'ai 2 As, par contre j'ai pas de 6, c'est moche. Ok, et là c'est de la force 8, donc je blesse à 2. Ouais. Pas d'As, là je sors 2 petits As. Ce qui fait que tu as 1, 2, 3, bah t'as 5 sauvegardes. PA moins 2, ignore les. Tiens. Bon, bah ça fait une sauvegarde à 5. Hein. Sauvegarde à 5 et c'est D3. Ouais, on s'en fait G. Ouais, je pense qu'ils vont mourir. Ouais. Ouais. Là, j'en passe quand même 3. Donc j'ai 6 D3. Allez, c'est parti. Le premier, il est mort avec 2 dés, forcément. Le deuxième, il est mort avec 2 dés. Et le troisième, de toute façon, ils sont morts, mais autant longtemps. Oui. Alors. C'est un peu un truc de fou. Hein. La partie, elle est vraiment cool et bien serrée. J'ai un différentiel de 8 points à remonter. L'idée, je contrôle un objectif, un point. Je pète une unité. Donc, soit le zoanthrope, soit le prime. Ça fait donc un point de plus. Je tiens plus d'objets, 3. Je brise les lignes, 4. Dans les ground control, je tiendrai 2 objectifs, donc ça fera encore 2 points. Je serai donc à 6. Si j'arrive à péter les 2, lui avec le répulsor, et là, avec l'Enterdafire, ici, j'aurai encore plus 1 parce que j'ai tué plus d'unités. Je passerai donc à 7. Et comme j'ai tué une figurine au dernier tour, je passerai à 8. Je peux choper l'égalité en alignant les planètes. Ah, faut pas le seigneur de guerre old school ? Oh ! Et le seigneur de guerre 9. On y va. C'est parti.
Et ben c'est parti, je vais tirer avec le répulseur exécutionneur sur le Zoanthrope. Zoanthrope. Qui est aussi le seigneur de guerre. Donc j'ai lancé, ça fait donc une touche. Une touche. Et... encore 3 sauvegardes. Un vu à 3, allez, allez, aïe, 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 c'est un scandale, messieurs, dames. C'est un scandale. Bon, alors tu me prends, déjà tu tues une unité. Et j'ai le seigneur de guerre. Et t'as le seigneur de guerre. Donc maintenant, ça va être savoir si tes deux Thunderfire arrivent à enlever. Alors, le Tyrannite Prime. J'ai fait le différentiel de poids à 1 point pour sauver. Non, peut-être gagner même. Tout va se jouer sur le Thunderfire ici. Ouais, c'est là, en gros, c'est les derniers tirs de la partie. On est vraiment sur les derniers tirs de la partie. Et c'est ce qui va déterminer le score final en fait. Oh punaise, ça se joue. C'est, alors, c'est les Thunderfire Space Marine. Et je pense que pour qu'il y ait une justice dans ce monde, c'est hors de question que ça soit eux sur un dernier tour qui fassent gagner Tildus. Ça serait un véritable scandale, je vous le dis. Mais maintenant, on va voir ce qui se passe. Alors, les premiers 4 D3 tirs. Je fais tout. Ouais, tu fais tout. Il fait la totale. J'ai l'adrénaline. Hein, l'adrénaline joue. Allez, 8 D3 tirs. Je relance le 1 avec mon dernier point de com. Oh, il est coquin, il est coquin. Allez, tiens, relance-nous ce 1, dernier point de com. Et là, je fais un 6 de famille. Il va refaire 1, c'est normal. 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'avais pris pile le bon nombre de dés. On est donc 17 touches, 2 plus, 2 plus, reroll. Je relance le 1, je veux du full touche, pas de 1. Ah, il m'a calé une full touche. Oh, Rogalou est avec moi là. Ah. Force de 5 en du. En du 5. Ah, sur du 4, c'est là que tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas la 4 plus, je le sais que tu l'aimes pas. Alors, ça c'est vraiment raté, il n'y en a pas trop. J'ai relance de ça. Oi, 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 oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sauvegardes à 4 plus. Oh putain, c'est du stat 50-50. C'est du stat 50-50. Oh, là, c'est, là, c'est le destin qui nous ça lit. Ça se joue sur cette partie. Le destin nous, à la fois nous lit et aussi nous sépare à la fin de cette partie. Attention, attention. Allez, la flotte ruche est avec moi. Oh, j'ai pas les yeux, Non. Oh là là. Ah, il est mort, il se fait découper au Thunderfire. Et Tildus remporte la partie sur cette action. sur cette action. Cette action. On est proche de l'action footballistique de fin de match, quoi. On est sur la remontada. La remontada à la dernière minute. Ah ouais, là c'est vraiment le clou fatal. On va faire le point, le compte exact. Pour être sûr. C'est sûr, mais on va faire le petit compte exact de fin qui fait plaisir. Donc on arrive à la fin de ton dernier tour, donc du sixième et dernier tour de jeu. Alors il faut savoir que quand Tildus commence son tour, on est à 23 à 15. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, tu tues une unité, tu passes à 16. Mmh. Tu tiens un objectif, tu passes à 17. Tu tues plus d'unités que moi puisque tu tues ce fameux Tyrannite Prime, donc tu passes à 18. Hein. Tu tiens plus d'objectifs que moi, donc tu passes à 19. Ensuite, tu vas tuer mon seigneur de guerre dans tes objectifs old school, tu passes à 20. Ouais. Tu vas mettre la dernière tatane sur le donc tu passes à 21. Et tu vas tenir deux objectifs ici et ici sur le grand contrôle, donc tu passes à 23. Et le briseur de ligne grâce au chapelain, tu passes à 24. La partie se gagne pour toi sur le fil. 24 à 23 sur cette magnifique action des Thunderfire. Bien joué à toi. Et le check de fin. Et voilà, c'en est fini de ce rapport de bataille. J'espère que celui-ci vous a plu. Et si c'est le cas, bien évidemment, vous pensez à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Débriefing de la game, qui était fort plaisante, déjà. 8 semaines de confinement. J'ai bien fait d'attendre, parce que c'était une super game. Ouais, ça fait plaisir. Il y a eu un scénario de fou. Enfin, rebondissements. C'était vraiment cool. Alors, c'était à peu près ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que je savais que tu allais beaucoup scorer, que tu allais être dans le contrôle map. Moi, je pouvais pas me projeter. Parce que je savais que j'allais avoir des platés de Steelers, parce que tu adores jouer des Steelers, tu en as mis plein. Donc je pouvais pas aller me mettre au milieu de la table, je pouvais pas étaler ma gunline, donc j'ai fait une espèce de dernier carré. Du coup, je t'ai laissé scorer, j'ai essayé d'avancer progressivement, tu as pris beaucoup d'avance au début. Je me suis senti très mal au T2, je me suis un peu rattrapé au T3 et j'ai senti que la game pouvait commencer à s'inverser. T4, T5, c'était sur le fil, mais j'avais encore beaucoup de retard. Et un T6 avec 8 points. Comme ça, le répulsor, il est passé, impeccable. Ouais, gros T6, puisque tu mets 9 points sur le T6. Il a fallu faire des calculs d'orfèvre pour savoir où aller choper les points. Ouais. Je ne pouvais choper que 9 points. Tu les as eus. Je les ai tous eus. Ouais. C'est le... Alors, sur le tour 6, tu fais un gros tour avec les Thunderfire. Mais on va dire,
ça s'équilibre avec le tour pas bon que tu as fait au tour précédent. Parce que tu n'avais rien fait sur le tour 5. Donc en vérité, bon, le Tyranny Prime, je pense que statistiquement, avec le tour 5 et le tour 6 de Thunderfire, il tombait. Pour le coup, tu n'as rien fait au tour 5, ce qui a fait qu'on avait un gros challenge sur le tour 6. Donc ça a été rattrapé, ça c'est cool. Moi, de mon côté pour la partie, bah, c'est comme tu l'as dit, effectivement. Mon objectif, c'est de me retrouver face à une armée qui est très létale. Est-ce que je vais réussir à tenir le cap et à scorer? Je sais qu'il va falloir que j'engrange beaucoup de points, notamment sur le fait que je sois attaquant, que tu sois défenseur, que tu te mets en bloc. Donc volontairement, bah, tu ne prends pas la map. Donc moi, je dois la prendre, c'est ce que je fais. Et je pense pour le coup là que je finis avec 23 points. Et j'ai pour le coup très mal. Moi, j'ai fait de grosses erreurs de jeu sur mon tour 3. T'as eu un mauvais T3 et moi, j'ai eu un mauvais T2. Mais ton T3 était plus mauvais que mon T2. J'ai eu un mauvais T3 dans le sens où j'ai fait des mauvais choix sur le T3. Et je pense que le plus mauvais choix que j'ai fait, et c'est pour moi l'erreur de la partie, ça a été avec le Swarmlord de ne pas venir taper Thunder. T'as laissé mes Thunder. Et les Thunder, ils ont pu m'empêcher de scorer et puis ils mettent au final. Il y a justice, il y a un peu de justice dans ce monde de brutes, puisque c'est les Thunderfire qui te font gagner la game. Donc, je n'en ai mis que deux. Ouais. Mais j'ai mis que 40 Steelers. Ça va, ça se tient du coup. En tout cas, super partie, ça fait super plaisir. Merci à toi d'être venu une nouvelle fois. Ah bah, j'ai pris ma revanche. Ah oui. Avec un répulsor, sachant que je m'en étais pris trois la dernière fois. Ouais, c'est pas faux. Ça va, il y a un équilibre. C'est le karma. C'est le karma, c'est vrai. Faudra que je revienne une troisième fois. Voilà, pour équilibrer. Peut-être sur un autre jeu, on sait pas. On va voir. Warcry. Pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu les amis. Vous pensez à mettre le pouce bleu et le petit commentaire sous la vidéo. Ça fait plaisir de base. Et puis surtout, ça aide à l'algorithme et au référencement de la chaîne. Donc vous soutenez et aidez la chaîne en faisant ça. Je rappelle aussi, je remercie les sponsors de la vidéo, à savoir MyScenari qui nous a filé les décors pour ce rapport de bataille, Crank Wargame pour les tapis de jeu et puis voilà, j'ai fait le tour. Okay. Vous avez tous les liens dans la description, les gars. Vous avez les liens d'affiliation. Si vous voulez acheter des figurines, si vous voulez des codes de promo, tout est dans la description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.